Oh, ladies and gentlemen, we are live. Bonjour, dickheads. Salut les Français. Uh, cet episode va probablement être majoritairement en français, which means English speakers. Uh, the show is in English, no, the show is in French, but you'll have English subtitles available uh, on like the 18th of June, this, this Friday. So if you watch this video after the 18th of June, you can click and get English subtitles. And with that said, ladies and gentlemen, welcome to another episode of Paul Taylor's Happy Hour Live. Salut tout le monde, uh, uh, on est uh, lundi le 14, uh, quoi, le 14 juin. Il est 20h4. Ouais, on est en retard parce que mon guest c'est un français. Les Français sont en retard, donc uh, voilà. Euh, mais avant que je le présente, euh, je voulais juste, euh, regarde, j'ai un truc à te demander, c'est euh, subscribe to the channel. Euh, j'ai regardé les statistiques de, de cette chaîne YouTube et je me suis rendu compte que 65,2% des gens qui regardent euh, ces lives-là, les interviews que j'ai avec des, avec des gens hyper sympas, bah, vous n'êtes pas abonné à la chaîne, donc abonnez-vous, comme ça euh, euh, c'est cool pour tout le monde, comme ça t'as des nouveaux guests, t'as pas besoin de voir, just fucking subscribe, do it now, um, no, I'm waiting, go. J'attends, quelques secondes comme ça. T'as le temps de de subscribe. Super, parfait, good. All right, let's do it, ladies and gentlemen. Please welcome to the stage. Make some fucking noise for the wonderful Verino. We're doing this in English, right? <laughs> <laughs> yes, it will be an episode in English. I'm sorry. Uh, it's all right. With subtitles. <laughs> uh, 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 bienvenue. Ouais, bah d'abord, pardon pour le retard, les amis. Je, je, ça n'est pas volontaire, en fait. C'est juste euh, que je suis bête. <laughs> c'est vraiment, je pas d'autre excuse, en fait. J'étais genre à moins 20 juste à côté des bureaux. Et puis, je suis parti ailleurs. Je n'avais pas réalisé qu'on était, euh, qu était là où j'étais. Donc, euh, je suis parti. Puis, j'ai regardé le plan. Et puis, ils avaient toujours à peu, près le, à peu près le même trajet, mais de plus en plus loin. Je me suis dit, là, ah, je suis en train de partir de là, dans le mauvais sens. Et donc, c'est pour ça, pardon, je suis arrivé genre à 19h58, euh, le temps de monter bon, les escaliers. À, à, à 20h02, je crois. mais Ah ouais? Tu vois tu fais ça pour mes milliers. Ouais, de ouf. <laughs> euh, parce qu'ils ont un gage pour toi, mais avant qu'ils ont. Aient... Ah, Attends. Je suis allez... Toujours à l'heure. Ouais, 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 ouais. C'est vrai, es, c'est vrai que t'es ouais. quasiment toujours à l'heure, euh, sauf pour des trucs importants. C'est pas grave. Euh, <laughs> J'ai raté ma carrière. Alors, je vais, je vais aller chercher euh, à, à boire ouais. parce que souvent, il euh, y a des gens qui, qui regardent, qui sont pas forcément français, et qui, ça c'est, c'est des gens qui sont partout dans le monde, donc ils te connaissent peut-être pas. Donc quoi Pendant que je vais aller chercher. Alors là, j'hallucine. <laughs> alors là, <laughs> euh, pour, euh, je vais chercher les bières, Tu présentes-toi, qui t'es qui, euh, pourquoi t'es là, et euh, et euh, je vais chercher les, les boissons dans le frigo en dessous parce que euh, ce frigo en haut il est rempli de bières. Euh... ouais mais tu sais quoi j'ai changé d'avis parce que en vrai en ce moment euh, je suis blessé, j'ai mal au dos et donc on me file des médocs qui me font euh, qui et j'avais peur de pas faire des phrases correctes mais en fait j'ai envie de boire une bière. Ah bah donc bah ça ça me fait plaisir. Donc je vais rester euh, donc, bah moi, moi, j vais j euh, fidèle à ton Bah style. alors j'ai laissé euh, les verres en bas parce que je me suis dit je vais aller chercher. Donc je vais okay. quand même descendre chercher les verres mais on va prendre des bières. ouais and love it. Et pendant um, ce temps là je discute. C'est ça euh, donc euh, tu vois Caroline B euh, elle dit euh, mais c'est qui euh, qui est qui est Vérino. Qui est Verino euh, Présente-toi. C'est une les bières. excellente question, ça. Bonne, bon courage pour les bières. Alors, euh, qui est Verino Bah déjà, je suis humoriste. Et c'est tout, hein, je crois. Il hein. n'y a vraiment rien d'autre à dire. Hein. Non, je suis Maurice, je suis producteur, je suis euh, auteur de mes blagues. Je joue euh, depuis à peu près une euh, quinzaine d'années maintenant sur plein de plateaux et je fais plein de trucs différents. Et euh, là, en ce moment, par exemple, euh, je reprends la tournée tout bientôt. Je suis au grand point virgule et je fais des vidéos sur YouTube aussi. Bah tiens, en fait, c'est ça le truc. Si vous avez envie de savoir qui est Vereno, je pense que le meilleur moyen, c'est de regarder ma chaîne. Qui s'appelle Verino, sur laquelle j'ai posté depuis 5 ans à peu près 200 vidéos. Donc tu vois l'univers des blagues que je fais. Vous avez vu Verino dans Fonzie Mais oui, je suis comédien aussi. J'ai joué dans Fonzie, ce, ce merveilleux film. Tu peux dire ça à 45 degrés Ouais, ouais, ouais. Putain, tu vas en live, on va voir si tu y arrives. Oh, tu l'as déjà fait, toi, t'as l'entraînement. J'ai envie de le, le détenir à 45 degrés, juste ouais, ouais. pour avoir beaucoup de mousse. Pour pouvoir bien vous voyez, les Anglais, ils font de la mousse. C'est un peu lent parce qu'elle est un peu vide. Ah donc, Parce on va avoir veux, un truc sans veux. bulle ouais. <laughs> Un vieux truc sans bulle tout euh, dégueu. Merci, une fait. petite mousse. Ils, ils m'ont envoyé ces, ces fûts de, de bière. Vas-y, vas-y. Ah ouais, ouais, ouais. Droit, là, 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 là. Et c'est bah, une victoire. Bravo, Paul Taylor. Est-ce que tu peux tenir la mienne? Allez. Ah, ils m'ont envoyé des fûts de bière qui allaient aller à la poubelle. Ah bah oui, puisqu'il n'y a plus rien. Ouais! C'est ça Ils hein t'envoient que des, 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 des fonds de fûts Bah en fait ils ont fait un, un truc. C'était c'est une marque qui s'appelle BrewDog et puis en gros c'était des, des bières destinées aux resto ouais. Et Comme les restos étaient tous fermés, bah ils ont ah. repackagé ça pour des particuliers. Ah putain c'est malin. C'est un peu long. Tu ouais. vois le suspense il est bien là. Il est bien euh, là oui. et ouais. Nice. Thank you. J'ai envie de parler à chaque fois que j'ai envie de parler anglais à chaque fois que t'es là. Et à chaque fois, je me rends compte de mon niveau qui est quand même très très bas. Et eh ben, on testera ça hein, tout à l'heure peut-être. Yes, with pleasure. Oh, cheers, my friend. Cheers, my friends. Bah, bah, merci d'être là. Bah avec plaisir, Néo. Un peu en retard, mais je regarde. Mm. En vrai, ça fait trois mois que j'attends que tu m'invites, hein, donc euh, je t'en avance. <laughs> c'est vrai, c'est vrai. J'en parlais à, à chaque fois. Je dis, j'ai plein de gens à inviter, et puis du coup, c'est euh, terrible. C'est euh, toi aussi, ça a dû être la même chose avec tes plateaux, parce que tu faisais euh, ouais. euh, plein de plateaux. Euh, Inglorious Comedy Club. C'était un des meilleurs plateaux. Enfin, je crois que c'était le meilleur plateau euh, euh, sur Paris. Ouais, je qu peux beaucoup... pas dire oui, c'est vrai. <laughs> Mais je suis un peu d'accord. Il euh, bah, y, avait, y avait beaucoup de public et euh, ouais. c'était bien payé parce que du coup, c'était quasiment gratuit au Chapeau, donc du coup, euh... donc du coup, les gens étaient généreux et comme ils étaient très nombreux, bah du coup, euh... ça. grosso modo, tout le monde partait avec une belle, une mais tu as angle, dû là, avoir pas. la même, le même problème que moi et que j'ai en ce moment. En plus, là, ça va parce que es, tu as invité quatre, cinq personnes à la fois. Moi, ouais. comme c'est une personne à la fois et c'est qu'une fois par semaine, bah du coup, euh, j'en ai que fait 20 et donc, je, y a plein ouais, d'autres ouais, gens, ouais, mais ouais. du coup, euh, j'ai peur que les gens ils soient là, mais que le, ce connard là il a invité telle personne, ah, ou ouais, pas d'autres. Euh... Oh, je pense que tout le monde a un peu d'intelligence de, de, là-dessus. Hein. Moi, je dis ça pour déconner, évidemment, mais je veux dire, je pense que quand... à partir du moment où tu fais une programmation, tu te rends compte à quel point c'est dur de la faire, es obligé d'avoir du recul et de te dire non mais le, les gars font ce qu'ils veulent quoi, tu vois, euh, moi quand je regarde tes vidéos évidemment je trouve ça super, évidemment je savais que tu finirais par m'inviter et donc je me disais, j'ai pas du tout, euh, j'avais hâte de venir évidemment mais c'est toi le patron quoi, tu vois. Ouais. Y a pas de... Bah du coup euh, comme, euh, le, le, comme je raconte tout le temps c'est euh, un mélange entre, euh, j'essaye de mélanger tout le monde tu vois, hommes, femmes, euh, surtout anglophones et, et francophones ouais. Pour qu'il n'y ait pas 5 anglais de suite ou 5 français de suite Ensuite, euh, Et t'es euh, en parité vrai toi ou pas Sur, arrives à être en parité Anglais-français euh, anglais, euh, Non j'ai homme-femme Homme-femme non Anglais-français c'est euh, moins... C'est presque là, la... en fait ouais. euh, souvent je sais pas pourquoi à chaque fois que j'ai inv une invitée femme, elles sont trois en même temps <laughs> donc j'avais les coquettes donc elles ouais. sont trois et euh, la semaine dernière j'étais à Dijon euh, au club de foot euh, en direct du stade de foot Énorme. avec trois femmes euh, de l'équipe de, de femmes et donc okay. euh, du coup à chaque fois il y a des femmes sont, donc elles tu, sont plusieurs ton ratio il est mortel ouais. parce que du coup euh, tu en as six d'un coup en deux, <laughs> en deux vidéos ok ok c'est ça, ça donc été, techniquement sur deux épisodes il y a eu sept, il y a eu six femmes donc euh, <laughs> c'est pas mal euh, c'est pas c'est pas c'est pas compliqué euh, Adam Holmes Uh, il dit uh, et effectivement dans uh, what the fuck France l'édition uh, l'épisode sur l'humour ah c'est vrai uh, je quand tu avais fait, fait l'intro je crois ah ouais. je crois que tu avais fait l'intro où tu dis uh, salut je m'appelle ah oui euh, uh, je crois, crois que tu m'avais parodié je crois que tu avais fait uh, je sais pas si tu t'avais dit salut, je m'appelle Paul Taylor et tu lui faisais. Non, ça c'était Kian, je crois, qui s'est moqué de moi dans l'épisode. Mais dans l'épisode de du stand-up pour de. fois. Non, non, déconner ouais, ouais. Je me souviens que j'avais fait partie de What the Fuck France et j'étais content parce que je trouvais le programme vraiment chambé. Est-ce que je peux t'en demander pourquoi t'as arrêté du coup Oui, du coup, moi j'ai arrêté parce qu'il voulait faire une saison 2 de What the Fuck France, mais moi j'avais pas 30. Parce qu'une saison, en gros, c'était une trentaine d'épisodes. Ouais. Parce qu'il y a 30 semaines dans l'année télévisuelle. Et euh, t'avais pas 30 épisodes j'avais pas 30 épisodes euh, de plus. Attirer, ouais. euh, oui, peut-être, peut mais du coup, je voulais pas essouffler. Déjà, on voyait sur les derniers 5-10 ouais. que euh, les commentaires étaient moins. Parce que comme ça se répétait, c'était un, un peu le même, la même mécanique, la même ma mécanique ouais. à chaque fois. Euh, du coup, euh, je voulais pas essouffler le concept. Je voulais garder le truc de voilà, il y a eu euh, un, une saison de 30 épisodes, 34. Ouais. ouais. Et dans 5 ans, les gens ils diraient ouais, c'était cool, c'était cool. Et c'était ouais, pas genre non, un truc. Euh... Chant, mais... c est, c est, euh... Je voulais pas que ça s'essouffle. C'est très difficile parce que y a, y a, pour moi, il y a plusieurs phases. Il y a la phase où tu crées et tu es hyper créatif et c'est génial. La phase où tu arrives, effectivement, tu commences à te demander si ça va pas s'essouffler. Et la phase où tu peux devenir culte euh, en réussissant à transformer le truc derrière. Ou, ouais. euh, tu vois, même en étant un tout petit peu euh, ce que tu appelles essoufflé, mais je dirais utiliser les mêmes mécaniques, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça devenait culte où, euh, Oui, c'est vraiment de la question. Bah, ça, hein, coup, moi, euh, dans la rue, euh, quand les gens ils me, re ils me reconnaissent, ils, ils, vont soit, ils vont citer deux, trois répliques et qu'à chaque fois, j'avais le ouais. truc genre. Euh, je, je disais, uh, why is this shit? Ouais. Oh, I'm glad you fucking asked. Souvent, ouais, ouais, les gens ils me disent, uh, I'm glad you fucking asked. Ou, uh, ou des trucs genre, pour trois raisons, c'était toujours uh, for three reasons. Ouais. Donc souvent, c'est des trucs qui, 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 qui reviennent. Donc pour les, les gens qui ont gardé ce truc-là, il y a des répliques qui sont devenues cultes. Pour les gens qui l'ont regardé, mais après, il y a plein de gens qui qui connaissent pas c'est quoi. Et puis uh, surtout, j'ai découvert un truc, c'est que là, dans les derniers. 5 ans, il y a eu vraiment un, un bousculement, un changement de, de, de génération. C'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui me connaissent par rapport à ça ou par rapport à autre chose et ils ne savent même pas que What the Fuck existait parce qu'il wow, y a ouais. 5 ans, des gens qui ont, qui ont 17 ans maintenant, bah, ils en avaient 12. Ouais, 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 ouais. Et à 12 ans, ils ne regardaient pas ça. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on bosse maintenant parce que les gens qui ont 12 ans aujourd'hui, dans 10 ans ils en auront 22 et ça. il faut qu'ils aillent voir du stand-up et il faut que ce soit nous quoi. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Et toi, donc toi, as fait euh, parce que c'était pas du tout la même chose, mais t'avais fait euh, et t'en as fait beaucoup plus. C'était, dis donc, Internet. Ouais, 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 Et là, ça s'est arrêté, évidemment, parce que c'est l'épisode épisodes de, que, que je tournais en public. Euh, J'explique aux gens, en gros. Ouais. À la fin de mon spectacle, le vendredi soir, j'étais en, euh, en live sur Facebook. avec euh, Dans la salle, euh, à la fin du spectacle, je tournais 5 minutes de, 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 de sketch que j'avais écrit dans la journée. quoi. Et donc, euh, donc as, euh, je me retournais, j'avais les spectateurs derrière, et puis l'écran géant qui diffusait le, la, la vidéo. Donc, les gens voyaient sur l'écran géant ce qui se passait. Et en plus, en live, t'avais euh, le côté un peu l'espèce le, le, d'hybride entre, euh, entre pardon, pardon. Internet et YouTube. Et euh, pardon, pardon. Parce que non, euh, c'est parce que le son de mon téléphone, parce que je voulais montrer, je voulais montrer les images ah ouais. en même temps que tu parles. Et donc il est parti Et, et euh, le son, le il est parti bien. dans le truc. Euh, okay. Parce que je suis con et je suis pas techniquement. Euh, ouais, mais comme j'étais euh, en retard, du, du coup con. il y a égalité. Ouais, c'est ça. Allez euh, Donc <laughs> euh, je voilà, je le mets au milieu. Comme ça on voit. Ouais, bah là t'as la salle vide, c'était le jour. Ah, c'était le. C'est pas le bon, alors j'ai choisi un par hasard. Voilà, tiens, je prends celui-là. Ouais, celui-là, il est. Ce genre de blague, je l'ai fait et donc en tournée, t'as toujours des etc. C'est des vannes écrites dans la journée. Et il euh, y a du son là, du coup euh, y y a, non, non, eux ils entendent rien, c'était juste oh, okay. euh, comme ça tu expliquais. Euh, mais si tu veux le son, je peux mettre non, le non, son. Non, pas du tout, pas du tout. Euh, imagine qu'on tombe sur une vanne de merde, <laughs> ne prenons ouais. pas le risque. <laughs> Et donc effectivement, t'as ça. Et donc c'est tous les jours, enfin c'était tous les vendredis, tous les vendredis, un, un 7 minutes écrit. Euh, euh, ouais, c'était sportif. Et, euh, et je vais le reprendre d'ailleurs, parce qu'en fait j'adore ça, quoi. C'était génial comme... Euh... Ah tu vas le reprendre Il ouais, ouais, y, ouais. euh, y avait tout le truc où euh, tu avais fait 199 épisodes. Non, ouais, c'est ça. J'en ai fait 199, et le dernier, je l'ai appelé 199 bis, parce que je dis, je ne vais pas faire le Je ne voulais de, pas faire, euh, faire 200 le 10ème. Et j'ai ressorti des vidéos dans mon salon là, et, et c'est la, 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 le stand-up de salon, du coup, qui se, qui se tournait chez WAM, dans mon salon. Alors évidemment, c'est moins puissant, parce qu'il n'y a, a pas les rires, il n'y a pas le il n'y a pas l'ambiance mais c'était cool d'écrire de, de, et puis de, de jouer. ouais à puis euh, niveau euh, niveau euh, niveau light niveau caméra euh, eh, c'est stylé hein, c'est bon on parle hein. à un geek <laughs> de, moi je 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 ouais c'est bah, toi t'as installé tout ça toi-même avec, euh, avec tes lights avec ton ouais, truc. ouais j'ai eu un petit coup de main de Nico que tu connais Nico oui ouais Bigué, Nico ouais qui est Très cool. qui, salut Nico si tu regardes oh, ça ouais qui nous regarde qui, qui, qui a mes vidéos chaque semaine en me disant bon bah, là Ouais, ce serait bien d'avoir un peu plus de light. Oui, si, fais gaffe. Il m'a envoyé des vidéos sur lesquelles les mecs expliquaient comment placer tes lumières. Et donc, euh, donc j'ai appris beaucoup. Et puis, quand j'ai eu mon problème de dos euh, sur la fin, c'était lui carrément qui venait refaire les vidéos parce que je pouvais plus euh, tourner et monter dans la journée. Euh, T'as eu un problème de dos là pendant les, les, les trucs Ouais. Et donc, est... putain, je suis en train de transpirer de ouf, d'un coup. Ouais, tu brilles à fond, c'est gênant. Bah écoute, non, c'est pas vrai. Je ne mettre pas maquillage. Il fait chaud, là, il fait 30 degrés à Paris. Ouais, et euh, j'ai dû décaler tout le matos pour pouvoir ouvrir les fenêtres parce que je suis arrivé ah. en hiver et puis les, les fenêtres étaient fermées. Donc là, les fenêtres sont grand ouverts. Il euh, y a une fenêtre là-haut qui est ouverte et ça fait fuck all. Il y a, y a différence... des gens qui soufflent, ils font des, du vent avec des palmes. Enfin, vraiment, on est bien équipé quoi. <laughs> Donc tu t'es fait mal au dos, tu c'était un accident ou c'était euh, c'est juste Non non, c'est j'ai trois enfants et puis du coup, je pense que <laughs> je pense que le troisième il m'a il m'a terminé quoi, tu vois. Le troisième, il est gros, il est euh, tu le Tous, tiens c'est 4,5 kg à la naissance chaque. 4 kg C'est des monstres. Plus de 13 kg à 3, c'est vraiment euh... Ouais ouais, c'est c'est des monstres et puis du coup, bah tu calcules moins à force de porter tout le temps tout le temps tout le temps un bain un machin il a deux ans le dernier donc il est encore à l'âge tu vois où tu le mets sur la table à langer mais il est à l'âge où euh, la table elle fait <laughs> ouais c'est ça c'est lourd <laughs> Et puis voilà, et donc je pense qu'à force, il y a ça, il y a l'absence le, le, de scène, parce que mine de rien, physiquement sur scène, tous les soirs, t'es comme ça. Moi, j'étais ouais. assis toute la journée à gratter ou à faire de la preuve. Ouais. Et donc, du coup, euh, du coup, je pense que mon dos s'est affaibli, quoi. Et ma musculature, déjà impressionnante à l'époque. Musculature, euh, c'est un mot Musculature, c'est-à-dire, euh, c'est l'ensemble de tes le muscles. Le d'accord, de... ouais. je ne connaissais pas ce mot. Voilà, j'ai appris du français aujourd'hui, c'est très cool. Putain, c'est génial. Euh... Tu vois, lend the Wonder Woman. Elle dit :« Ça nous a fait du bien euh, ces vidéos pendant le live. Bah, » Pendant ah, le confinement. Bah, merci Virginie. Bah, merci. Euh, j'ai arrêté d'une manière tellement brusque. Je suis nul pour arrêter mes vidéos sur YouTube. C'est juste elle s'arrête. C'est genre. Euh, je de fin, je euh... dis à la semaine prochaine, et la semaine d'après, il y a plus de vidéos. <laughs> Parce qu'en fait, pendant la semaine, je me dis :« Bah non, en fait, là, ça y est, j'ai plus de, j'ai le truc. » Là, en ce moment, en plus, j'ai mon nouveau spectacle qui est sorti, ouais. euh, qui était sorti en octobre, que j'ai repris là au grand point, et je taffe à fond dessus. Ouais. J'ai plus le temps de m'arrêter. Là, jour. tu joues, euh, tu joues en ce moment. Ouais. Et tu joues combien de temps euh, combien de fais, euh, fois par semaine plutôt Ça dépend des semaines en gros, euh, en fonction des, des, des horaires qui restent. Euh, je crois, je sais pas comment exactement travaille le théâtre, mais en gros, j'ai fait deux fois par semaine jusqu'à maintenant, trois fois la semaine dernière, et, euh, et les deux dernières semaines, en fait, j'ai des trucs donc je joue qu'une seule fois. Euh, D'accord. Euh, D'ici fin juin. Et je crois qu'il me reste. Ça doit faire du bien, non, de remonter, ouais, de retrouver un peu euh, ton public. Euh... Il y a deux choses. Hein. Déjà. Putain, t'as la dalle, c'est trop bon de remonter. Moi, c'est vraiment mon kiff. En fait, je me rends compte que même en, en tant qu'auteur, ou tu vois, les vidéos dans mon salon, c'était cool. Ouais. Mais en vrai, je suis un communicant, quoi. j'ai besoin d'avoir euh, mon partenaire. Et puis le deuxième truc, c'est aussi, que tu te rends compte que bah, sur un nouveau spectacle, il y a du boulot. Et, euh, et euh, je, je crois que j'ai jamais eu de meilleur rodage que jouer en jauge réduite. Parce que quand tu joues dans une... Là, on joue dans la grande salle qui fait 450 places. Ouais. Donc, quand on était à 35%, pour pourcent, pardon, on était à 150. OK. Et donc, 150, les rires. Ils sont pas là si t'es pas marrant. Oui, ouais, vois ouais, ouais. Donc, je vois ce que tu vas dire, tu dois puncher à chaque van, faire rire chaque spectateur pour. Donc, le, le spectacle devient mmh. de plus en plus solide, quoi. C'est cool ça. Ouais, c'est vachement cool. T'as le nouveau toi aussi. Euh, moi le nouveau. Oui, en fait j'ai un peu plus de temps que euh, de tourner le truc que toi. Ah ouais, mais euh... en fait justement c'est hyper handicapant. Putain, j'arrête pas de te couper la parole. Non, non, mais, mais bah, je veux dire. <laughs> <soit t 'as... rire> ça c'est drôle parce que Adeline elle me fait. Euh, si tu peux parler 5 euh, secondes dans le live parce qu'elle sait que tu sais es bien parlé. Oh Merde. Oh, non, la <laughs> Non, mais ouais, vas-y, vas-y, vas-y. <laughs> Adeline, t'as dit ça Ouais, elle m'a dit, euh, elle dit euh, si t'en en place une, parce que comme le français, c'est même pas ma. C est, c est, moi, oui. En plus, j'ai du mal à, 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 à des fois à formuler des phrases. C'est chiant, ça doit être chiant pour des français. Euh, que je suis là, euh, euh, comment Est-ce que. <laughs> Dis-le, Paul, ferme ta gueule, c'est quoi le truc euh, que t'as envie de dire Mais euh, donc, ouais, non, dis-moi, qu'est-ce que t'as euh, euh, dit euh, ce que je voulais dire, c'est que moi, c'était un nouveau au mois d'octobre 2020, donc euh, il a été annulé tout de suite, et donc mon nouveau ah, n'est jamais sorti. Oui. Alors que toi, il est sorti un an avant, ouais. ce qui fait que du coup, t'as été coupé dans ton élan. Ouais. Moi, encore l'excuse de, de démarrer en disant c'est mon nouveau. Toi, tu as eu le temps quand même de démarrer, donc c'est plus un nouveau. C'est le nouveau un... ancien, dans le sens où c'est j'ai fait trois mois euh, à Paris. Ça y est, tu as eu 5 secondes. Je vais comprendre pour Adeline. <laughs> j'ai fait trois mois à Paris et ensuite j'ai commencé la tournée et puis après ça s'est arrêté. Et donc, du coup, ouais, c'est le problème, c'est que bah, l'affiche, euh, elle reste pareille, le titre il reste pareil, mais en on je crois que le contenu il va changer un petit peu quand même ouais, évidemment, tu vois évidemment mais euh, ouais c'est dur c'est dur mais j'ai hâte de reprendre là je reprends le, le 26 le 25 et, 20, euh, 26 et 27 juin. Pas, fin juin le, okay. le, le, le samedi dimanche euh, à Caen euh, le 26 et 27 ok il euh, y aura Tania Dutel en première partie ah, euh, en si, si vous êtes là bah, en fait les deux sur les trois sont complets donc euh, hurry the fuck up if you want tickets to Caen et puis, euh, puis ouais, j'ai hâte de reprendre parce que là on, on a pris des scènes ensemble euh, depuis le début enfin depuis là le début de la, du déconfinement et euh, c'est cool mais c'est des 10 minutes tu vois et euh, moi je suis euh, moyennement bon sur 10 minutes j'suis, j'suis Oh mieux non, euh, t'es bien sur 10 minutes Ça va même. mais je suis ouais. mieux sur une heure Parce que les gens ils ont le temps de, de rentrer ouais. dans le délire En 10 minutes, surtout quand t'as un truc qui est pas juste euh, hey, Salut je suis comme tout le monde Je suis blanc, je suis hétérosexuel, je suis un homme euh, Alors que t'es quand même blanc, hétérosexuel et homme C'est ça <rire> Mais, mais <laughs> j'ai le côté euh, handicapé ouais. euh, que je suis anglais ouais, Et donc ouais. du coup je suis obligé de parler euh, de ce truc Le, le y a côté carrelage moi C'est ta meilleure vanne pour moi quoi <laughs> Le mec il sait pas ce que ça veut dire carrelage bah, j'ai ri j'ai ri. Bah, c'était vrai, c'était bah, malheureusement ouais, ouais. vrai mais maintenant je sais c'est quoi carlage mais il y a plein d'autres mots euh, que j'apprends euh, comme musculature, musculature, c'est la même ça. chose que le carrelage à peu près. Ouais. Voilà. En, fait, date, un... en fait je en fait je prends cette blague et je refais la même blague euh, avec tous les 6 mois mais je change euh, le mot et je crée des mon blagues sur ouais. <laughs> venez voir mon nouveau spectacle avec musculature. À euh, 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 ah, Mika Luna, il dit, c'est drôle, il dit, ah oui, donc nous, on va pas pouvoir en placer une non plus, alors. Ah, non, mais je suis désolé, <laughs> mais c'est un enfer. Mais tu sais, je crois que c'est pour ça que je suis moriste en fait. C'est juste ouais. que je bavarde et que je, je pense quelque part, c'est ma femme qui m'a obligé. <laughs> Vas-y, va parler à des gens. Tu imagines le confinement pour nous? Euh, ouais, c'était euh... sachant que j'ai trois fils qui sont encore plus bavards que moi. Tu okay. penses que ma femme, elle vient d'enfer. Elle en plus. Et des fois, premier degré, elle nous le dit mais fermez la quoi. Il y a du bruit <laughs> tout le temps. Fermez la <laughs> Moi, j'ai ouais Moi, je suis. Euh, C'est plutôt moi à la maison qui dit euh, fermez la parce ouais. que les deux, elles parlent Là, ah ouais. la petite, elle, 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 elle raconte de la merde Mais elle parle Elle, a quel âge, là elle, a, elle va avoir deux ans euh, dans, ouais. dans quelques semaines Et donc du coup Elle ouais. fait au moins des mots qui Ouais, ça sens, fait un quoi. bruit Et Ensuite, ma femme, elle répond, elle est sympa Et puis moi, je suis là dans le coin Ok, cool, j'essaie Et puis ouais, c'est le confinement C'est pour ça que je suis venu ici en fait ouais, ouais. J'ai trouvé le studio, j'ai appelé Fanny <laughs> J'ai dit, euh, je peux squatter ton, ton grenier repeindre le mur installé euh, Parce que la maison euh, Je peux pas être créatif à la maison je voudrais juste dire que le mur, il est beaucoup mieux en vidéo que là. Hein. Ah, de ouf. Hein. Ah ouais, ouais ça c'est... Mais ça, on l'a fait, en fait, on l'a peint avec Ben. Ouais. Et euh, on a laissé plein de trous, mais qu'on ne voit pas à l'image. Tu vois les petits trucs blancs, là Mais oui, oui, oui. Il y a plein de trous, mais ça ne se voit pas à l'image. Mais c'est très, très beau à l'image. Hein. Merci, euh, merci Sony pour cette caméra. Ouais, merci euh, Sony pour... Et euh... pourquoi là, on est moins flou Il y a moins de profondeur de champ que d'habitude ou Ouais, c'est parce que en fait, la caméra, normalement, elle est, elle est contre le... Ah, contre la, le, la fenêtre, donc, la fenêtre euh... elle s'ouvre pas mmh. et donc du coup il y a plus de profondeur dans la dans la salle okay. dans la salle dans la dans la pièce dans le, dans le hall et in the room <laughs> euh, et donc du coup là on est il y a moins de flou derrière juste parce que la caméra elle est plus proche ah ouais d'accord Uh, Phil C, il dit une, une pensée pour la personne qui va traduire tout ce flot de paroles en anglais. Et eh bien cette personne, mesdames et messieurs, c'est Maxime Boutet. Uh, je ne sais pas si Maxime Boutet, il est, uh, il est dans le chat. Je l'ai vu tout à l'heure. <laughs> J'hésite à parler maintenant, je ne veux plus parler maintenant. Uh, c'est un <laughs> québécois. Par euh, Maxime, merci. Euh, non mais il ne faut pas pardonner Il hein. faut pas dire pardon Il ne faut pas pardonner Il ne <laughs> faut pas pardonner You know what I mean Fucking hell Et euh, moi j'ai hâte Il y a un truc Je n'ai toujours pas vraiment fait La promo sur mes pages encore Parce que j'avais tellement de trucs À faire Ah j'ai un nouveau spectacle ah, J'ai ouais, Je pas encore fait La promo de la route des vannes ouais. euh, non, Moi non plus Tu pas fait, ouais. tu ouais. pas fait Ok On fait un truc Avec d'autres potes humoristes euh, Qui s'appelle La route des vannes On est avec Bunaimin e Tania Dutel Émeric Lompré euh, Donnell Jacksman Et nous deux Hein, si je me trompe pas c'est -ce ça on est 6 ouais je crois ouais. que c'est tout t'imagines il y a une personne qui manque et puis on est là ouais, et on s'en est pas rendu compte et on laisse le truc tourner et à la fin <laughs> la gênance <laughs> absolue et euh, c'est euh, c'est le, 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 le un jeu de mots sur la route des vins ouais parce qu'on fait des tournées de domaines de vins à l'extérieur Mec, s'il fait chaud là comme ça, euh, dans bon, le on jouera à 21h30. Non, on jouera à minuit et demi quand, quand il fera Ouais, prêt, parce que là il là. est 20h30 et juste. Non, chaud. mais là on crève, là il fait vraiment très, il fait, très chaud. Il hein. fait, il fait il beaucoup fait trop chaud. Exactement, hein. 29 degrés. Hein. Donc, euh, ouais. <laughs> tous, les deux, <laughs> tous les deux avec <laughs> leur Apple Watch. Alors, ouais, il fait et 29 euh, degrés. c'est euh. important de Oh là là. Et donc, euh, donc euh, la route des vannes, ça se passe début juillet. Euh, et, euh, ouais, allez regarder les dates pour voir où on tourne. Mais ouais, on n'est pas loin de Lyon et pas loin de d'Aix-en-Provence et pas loin de Marseille. C'est dans des domaines dans le coin. C'est ça. Tu sens que les personnes qui produisent ça, c'est Fanny Jourdan d'ailleurs, son idée. Elle, elle se dit alors où est-ce que je vais picoler et elle regarde et en fonction elle appelle pour voir qui va nous accueillir. quoi euh, Marion, elle demande de la tourner ce ferait où euh, eh ben, Alors, c'est bah, une une question je... parce que nous, ouais, nous on, on rentre on... dans la voiture, après on va faire des blagues, après on nous redépose ailleurs. Enfin, c'est ouais. tout. Hein. Notre on on a Maurice. aucune idée. Euh... C'est des endroits que je connais pas en tout cas. Euh, attends, je le mets sur l'écran. Voilà. Euh, ouais. Alors, on joue à Château Lomprun qui est à saint georges en Valdenne. Oh la vache, le H notre carrière, elle est ouf, mec. De ouf <laughs> Domaine de Cordeloup, Tupin et Semonce. Semon, se, semonce Tu le prononcerais comment, là semonce moi, Je le prononcerai pas, je vais te laisser galérer tout ça Ok, <laughs> Château Pesquier à Mormoiron. Mor, 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 Mormoiron On dirait la religion euh, bis de Mormon. <laughs> je croyais <laughs> qu'il y avait une blague euh... sur la bite, moi. Ah <laughs> Domaine de la Briane, Aix-en-Provence, ah, Aix ça je connais. Ça, ça, ça va. Euh, domaine Bruant, la Cadière d'Azur. Ouais. et à domaine Bertr berthaud Belieu Gassin voilà Ouais, donc euh, en fait c'est des, des villes qu'on connaît déjà pas hyper bien et ben nous on est à côté dans des domaines Ouf. donc c'est vraiment si t'arrives <laughs> à nous trouver en fait le jeu je pense c'est de nous retrouver on est des Pokémon un peu tu sais ouais et c'est l'application faut retrouver où sont les où sont les comiques quoi alors tout le monde m'a dit ça quand j'étais à Dijon la semaine dernière au club de foot pour faire le live avec les filles. Ouais. Euh, ils m'ont taqué-les parce qu'ils m'ont dit ⁇ Ouais, comment ça se fait que tu viens pas en Bourgogne ?⁇ euh, Non. Il bah, faut on... se remettre en question les gars. Hein. C'est Peut-être euh, peut y a un problème de votre côté. Quoi. Si tous les humoristes ne viennent pas en Bourgogne. <laughs> non, j'en ai aucune idée. Moi, je ma tournée qui démarre en, là un petit peu euh, en septembre. Enfin, j'ai 7 ou 8 dates avant euh, à, là pendant les vacances. D'ailleurs, je vais rater quelques routes des vannes. Et puis après, je reprends la tournée dès septembre. J'ai une vingtaine de dates d'ici décembre en parallèle de la programmation de Paris. Et ensuite, j'ai euh, 50 dates euh, entre janvier et juin. Donc peut-être bien qu'il y a de la Bourgogne dans l'histoire. Et j'y suis allé euh, il y a deux ans, je crois. Il y a quoi à, à part euh, enfin, Dijon, les grandes villes à, à, en Bourgogne parce que moi, Exactement je fais... Voilà Il y a Dijon, c'est tout. <laughs> je, connais pas, euh, la, je connais pas la géographie de la ouais, France ouais, et ouais. je joue coup dans les grandes villes parce que dans les petites villes, personne parle anglais. Donc, euh... Ah ouais Oh la vache, c'est chiant de te produire Ouais. ouais, mais euh, sauf que euh, ce qui est génial pour me produire, c'est que je peux jouer dans des villes euh, internationales où il ouais. y a beaucoup d'expats de français. Ah donc ouais. en fait, on perd énormément d'argent. <laughs> et le bilan est carbone, encore, il est, il est <laughs> ouf. Ça, je fais euh, un spectacle à New York, ensuite un autre à Sydney, ensuite ah à ouais. Shanghai. Ah ouais, mais ça Et donc, ouf. du coup, euh, devant 50 personnes, donc on perd complètement ah l'argent. Ouais. Et euh, mon, mon... comment on dit en, en français, a, a, a carbon footprint Genre ton... Ouais, c'est le bilan carbone, hein, c'est ça Un bilan carbone, ce ouais, d'accord. Euh, c'est le bilan, euh, le mot que je connaissais pas. Donc, Ouais. Tu l'avais pas dit là, bilan carbone Non, je dis euh, carbon footprint. Non, je dis, euh, le, le, en termes de. Car... Je sais pas ce que je dis. Si, je crois que, dit, que, bilan que dit carbone. Bilan... Est-ce que vous pouvez me dire s'il a dit bilan carbone C'est hyper important. <laughs> hyper important. d'ailleurs, euh, on n'a pas eu. Euh, euh, C'est vrai que je leur ai demandé avant qu'on commence parce que tu étais en retard. Ouais. C'est quoi le gage euh, pour Verino En fait, il n'y en a pas, personne Tu trouvé sais que te, a, Sur les 26 épisodes, il n'y en a que deux qui sont arrivés en retard. Ça me déçoit. C'est qui euh... Jimo et moi C'est Jimmo et toi, ouais. <rire> 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 Comment ça se fait Comment ça se fait que j'ai trouvé Oh la honte euh, Donc apparemment, j'ai dit bilan. Euh, racal a dit ouais, j'ai bien dit euh, bilan. Non ouais, c'est bien ça. ok euh, Et en empreinte carbone, empre ça marche aussi. carbone, d'accord. Ah non, t'avais dit ce... empreinte toi Peut-être. Bah non, apparemment, j'ai dit bilan. Il y a un débat. Le bilan carbone. Ouais. Je, je sais pas. Est ce qu'on peut voir le ralenti Mais euh, c'est quoi le gage C'est quoi le gage pour Verino d'être euh, venu le, le deuxième bah, en Aller carbone. jouer Bo en Bourgogne, hein, Je crois que ça va être mon <laughs> gage. je suis en parlant de bilan carbone. Je suis allé jouer en Espagne à Barcelone et j'ai décidé de pas prendre l'avion. Parce que je, je, vraiment, j'ai une démarche écolo. Et ben, 7 heures de train, mon pote. Hein. Je, Et ouais. ben, tu préfères prendre l'avion. Hein. Ah, bah, <laughs> moi, j'ai pris l'avion. Hein. Ah ouais Ouais, parce que. Ah, euh... moi, je continuerai à prendre le train, mais mon dieu, mais mon dieu, qu'est-ce que c'était ah, long. Ouais. Le, le, pour aller à Barcelone, j'ai mis autant de temps que pour aller à Montréal, quoi. Ah, regarde, c'est une bonne question de, de Norivet. Alors, lui, il fait un truc. C'est est un fan, il est sur les lives à chaque semaine. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà regardé les lives, j'imagine que non. Si tu, euh... Non, non, j'ai des enfants le lundi soir. C'est vrai. Euh, ouais. vrai que. Alors il s'appelle Fred, euh, et donc là en fait, euh, je ne sais pas si tu vois ce qu'il qu a fait avec son nom d'utilisateur et sa photo. Oh oui, salut. <laughs> C'est drôle. Et Paul Taylor, d'accord. Oui, donc <laughs> il, a, il a commencé avec moi à, inverser, à faire du verlan avec ouais. mon prénom et mon nom de famille, et là maintenant il prend le guest à chaque fois, il prend la photo. Il a de Ah putain c'est nous deux Non non, non c'est toi mais à la, à la, ta, ta, ta tête c'est ta barbe et ta barbe c'est ta tête. Ok d'accord. En y a fait ton taf. visage au milieu il est pareil mais c'est juste tes cheveux de barbe sur ah, ouais. et, et en, tu vois ah, pas... Putain j'ai la barbe blanche sur cette photo. C'est bizarre. Oui. <laughs> <laughs> et du coup, euh, Norivet, comment tu fais pour survivre pas avec tout l'argent que tu perds tout le temps Il n'y euh... a pas que toi qui le perds, hein. c'est ça, ça, ça qui ça, est génial. Ouais. Ouais, est qu est ça. Et puis t'en gagnes ailleurs, et puis euh, ça. en fait il y, y a aussi quelque chose. On arrive à un stade, j'ai l'impression qu'on est à peu près au même niveau de notoriété tous les deux, je pense, ou, ou pas non, loin tu quand vois. Quand même un peu plus. Enfin, tu joues dans des villes où moi je ouais moi je vais jouer mais parce que je, je parle français toi tu parles uh, fran, tu parles franglais ouais donc mais moi... moi si je vais jouer t'as fait ta tournée de presque villes ouais. euh, qui est très drôle parce que moi il y avait trois fois euh, euh, je crois que la même année juste avant où euh, j'avais fait euh, trois villes à côté de grandes villes les villes presque coup, ouais 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 <laughs> et du coup euh, c'était c'était assez drôle mais c'était vraiment à côté de grandes villes mais euh, mais moi je serais incapable de jouer enfin de jouer ouais, ont, et ouais. remplir genre 25 places 50 places dans tes villes oh, euh, ouais peut-être pas Bref, parce que peu importe c'est pas en une fait il y a un truc mais... moi comme euh, c'est une compétition, il va falloir qu'on voit un gagnant. <laughs> <laughs> en vrai, quand tu tournes dans les villes presque, a... j'appelle les villes presque toutes les villes qui sont tout à côté. Donc, par exemple, quand j'ai joué, au lieu de jouer à Nantes, j'ai joué à je ne sais pas quelle ville qui s'appelait euh, machin en Loire. tu vois. Et donc, parce que, parce que euh, la, toute la tournée était faite comme ça, donc j'avais que des villes qui étaient presque. Donc j'annonçais presque Nantes, presque Lyon, etc. Ouais. Et en fait, tu as, as des masses de gens qui viennent de la grande ville à côté et qui se déplacent. Et, euh, et en fait, ta salle, elle peut être pleine aussi. Si tu vas ouais. jouer à côté de, à côté de Lyon, tu auras des gens. Quoi. Ouais. Alors, c'est sûr que nous. Je jouais à presque Lyon, je jouais dans des 600. Là, euh, on a joué à Lyon. Bah, on a fait la bourse du travail qui fait 2000. Oui. Et tu te dis, ouais, peut-être peut ça joue un peu quand ouais. même. Quoi. Bah, moi, ouais, c'est. Euh, les, les, les... Moi, le. le, le... C'est pas un problème parce que je crois que c'est un problème fictif, mais j'ai peur d'avoir de, euh, des villes, des grandes villes. Et après, des, des, des petites villes, euh, parce que ouais. le maire, il veut avoir un spectacle un peu anglophone que j'ai déjà eu. et Mais après, tu as des gens d'autres villes qui se plaignent parce qu'ils se disent bah, Comment cette petite ville, ouais. ils ont droit à avoir ton spectacle, mais nous, non. Et après, euh, ça devient un peu le bordel. Donc, ouais. du coup, c est, c est, la règle, c'est. Elle est la, il faut que la ville ait un... Non. Il faut pas qu'il y ait des traits d'union dans le... le nom. <laughs> si c'est ça, quelque chose sur quelque drôle, part... forget it. Il ne ah parle merde. pas anglais, c'est sûr. Donc ah. il faut que ce soit les Dijon, les Bordeaux, les Lyon Paris, Marseille. Ah ouais. Bon, il y a Aix en Provence. Ça c'est le... Ouais, c'est ça, je le, suis en train le, de chercher. Le... Il, y a, il y en a deux que je fais, c'est Aix. Et, et saint étienne Clarenceur. Et Saint-Etienne, tu fais pas saint etienne j'ai essayé, c'était hein. ouais. nul. Ah, merde. J'étais dans une 600, je crois. Ouais. J'ai rempli, je crois qu'il y avait 100 personnes. Oh là là, et ça c'était. <laughs> maintenant, on est habitué avec Covid. Ouais, ouais. Là, c'était pleine. Ouais, c'était horrible. C'était pleine de georges, tout le monde. Et mais mais voilà. Moi, c'est dans le sud que j'ai ça, moi. Que j'avais joué. Euh, <laughs> maintenant moins. Maintenant moins parce que, parce que YouTube m'a aidé. Mais au début, c'était à l'époque d'On demande qu'un rire quand j'avais fait cette émission sur France 2. Là, euh... Je m'étais retrouvé à jouer à, à, au casino de en Provence ou un truc, okay. peut-être casino, je sais plus. Mais bref, en tout cas, on, on, on m'attendait en mode euh, le mec a fait de la télé et pareil, on a fait dans une 600, on a fait 150, c'était horrible. Oh. Mais j'ai refait l'année dernière et là on était complet. J'étais ouais. un peu content. Ouais, bah moi c'était. <laughs> tu viens, tu viens, tu viens, euh, tu viens contre le diable. Tu ouais, tu, ouais, ouais bah bah moi les deux, c'était Saint-Etienne et hier dans le sud. Ah si, c'est casino d'hier, moi. bah moi c'était casino d'hier, donc ah, on putain. a eu la même expérience. Bah ouais, <laughs> bah, faut que tu retournes, <laughs> c'était complet il <laughs> oh. Ouais, ils m'ont ouais. ils, 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 ah ouais. ils m'ont fait ouais non il y a Toulon juste à côté. A, et dans du gradin coup, comme ça. Ouais. ouais, elle ouais. Est, elle est magnifique la salle quand elle est pleine. Mais moi ah je l'ai ouais, ouais, fait ouais. vide c'était un cauchemar. Après le, 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 honnêtement le public ils il étaient vraiment chauds ouais. c'était un cinquième euh, ah ouais. rempli quoi. Mais du coup ils étaient vraiment sympas. C'est euh... très dur d'ailleurs quand on arrive dans des salles où c'est un cinquième rempli parce que on a le petit pincement au cœur et en même temps les gens qui sont dans la, qui à la salle c'est les plus motivés du coin donc ça veut dire que eux c'est eux qui avaient le plus envie de te voir ouais. et tu peux pas mal jouer pour ces gens là c'est ça mais eux je crois qu'ils do doivent arriver ils disent oh putain c'est vide ça, ça faut craint, que hein. je fasse un, un, un shout out à Neo Human yeah. qui, qui m'a filé cinq balles sur en super chat je sais pas pourquoi tu fais ça mais c'est très sympa merci euh, une bise du Nord les gars vous êtes mes deux artistes préférés Cheers, David thanks David appreciate it. et lui ouais. on dirait un gros geek d'ordinateur avec, euh, euh, ouais. avec ses ventilateurs euh, en de, je sais pas, je suis, pas geek, je, suis, je suis geek mais pas geek à ce point-là mais merci David euh, bah, t'es surtout, surtout geek sur Mac en fait et ça c'est un truc de PC <laughs> c'est vrai je suis un peu trop geek sur bon ça c'est ouais. normal j'ai travaillé pendant 9 ouais. ans chez eux euh, euh... t'es toujours content des produits qui sortent t'as acheté le le AirTag là Ouais, je l'ai acheté pour faire des tests, en fait. Et alors euh... Ouais, ça va. L'agression que je te fais. Et alors et alors, et alors, connard Dis-moi. Euh... Parce que je pas vu ton, ton déballage sur Internet. Y a non, j'allais le, le faire. Mais de, euh... de box Ouais, euh... ouais. j'allais le faire. Et puis, parce que j'ai trouvé, euh, en fait, euh, que j'avais fait du unboxing sur le 11, le 12... Putain, on a le même téléphone, ouais. la même montre. Ouais. Tu sais, on est, est tous fou, les deux... Ouais. Euh... Et, du, et, et, du... et ta femme sait que je parle trop. Ça devient inquiétant. On commence à avoir... <laughs> et ma femme est rouquine. Et euh... Eh hey, tu vas rendre euh, Adeline jalouse. Euh, si, les trois enfants, il y en a pas un qui est qui roux Non, ils non. sont tous blonds. D'accord, parce que Adeline, elle voulait vraiment que notre petite soit rousse. Ah ouais. Et comme j'ai un peu euh, des origines rousses, bah ouais ouais, <laughs> mon bah père es... il est roux et puis euh, ouais. la barbe elle est rousse. Non, mais là tu feras jamais plus roux que, que le, le fils de euh, de, de Seb Marx. Oh, là oh là. mon Dieu, est, il est c'est tellement beau il comme couleur, c'est cool, mignon. Oh elle a, ouais, elle, elle, Adeline pas. elle l'a elle, elle, elle vu, elle a fait oh mon Dieu. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi on n'a pas ça nous. Mais roues, si... c'est vachement dur parce que t'as des roues, as, as les roues canon où ils ont la couleur machin ouais. et t'as les, les roues Ed Sheeran. T'as des roues, euh, ta pas... ça marche pas quoi. Ouais. ouais. Ed Sheeran, je vois pas Tu vois pas Non. Tu vois pas que c'est Ed Sheeran Non. Enfin, je vois globalement, mais euh, tu vois... depuis longtemps, j'ai pas vu et donc. Euh... Ed Sheeran. Attends je le mets à l'écran comme ça, tout le monde voit. Ouais. Ah euh, oui, d'accord. c'est du blond clair, euh, du, du roux clair. Et du coup, euh, les gens, ils, ils trouvent ça moins beau, euh, euh, comme ça, là, tu vois, si, si là, là tu vois ouais. cette photo là ouais ouais, ouais. c'est blond blond vénitien euh... les gens ils en fait que euh, sur, sur les femmes c'est très très joli et sur oui. les hommes c'est un peu enfin, après moi je craque sur les roux hein. ça c'est mon truc euh... bah, heureusement Ouais. <laughs> mais, mais je craquais sinon... avant sur les ouais. roux <laughs> euh... enfin, ils sont tous en train de parler du, du truc euh, du truc de, de Mac là le, leur truc pas Mac le, ah le, tu euh... l'as acheté je sais pas quoi euh... le, 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 le non le la carte, le, la du... carte euh, RX je sais pas trop quoi je m'en rappelle plus ce que j'allais euh, euh, poser comme question ouais the Weasley family ouais tu me disais le, le, le air tag ouais ça va c'est cool oui. ouais 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 mais... t'es content. Je... Ouais. Okay, bah, content quand t'as perdu un truc en fait donc quand ouais, t'as mais... rien perdu euh... oui mais quand t'as perdu un truc de toute façon euh, le truc euh, il, faut, il faut que tu le retrouves dans un lapsus de temps parce que sinon ça alerte euh... ah ouais. laps lapsus ah, c'est quand tu utilises pas le bon mot donc t'as fait un lapsus sur le mot lapsus <laughs> ça c'est très très rare les amis on vient d'arriver <laughs> on assiste à quelque chose d'extraordinaire il a fait un Lapsus avec le mot lapsus. Je crois que t'es le premier en monde à faire ça. <laughs> le time lapsus. Qu'est-ce que j'ai dit un lab... Je voulais dire un lapsus de temps. temps. Ouais, ouais. temps. C'est tellement classe. Parce qu'il il y a une alerte euh, genre anti euh, stalka, stalking. Euh, parce qu'en fait, si tu fous ça dans, la, dans un sac de quelqu'un que t'as envie ah. de, de stalker, ah, et bah putain. du coup au bout d'un moment, le, le, ça envoie une notification pour dire il y a un truc qui te suit en fait. Ok. Et donc c'est pas, en fait, c'est pas un truc anti-vol, c'est un truc. Quand tu perds un truc, mais chez toi, en fait. Okay. Ou euh, dans un lieu... Euh, oh, ouais. C'est pas euh, pour les vols. T'oublies tes clés à l'européen, euh, tu ça. reviens. C'est ça. Mais, euh, tu mais si pas... quelqu'un prend tes clés, bah, du coup, ils partent avec. Ouais. Et ils sont notifiés dans pas longtemps euh, que ton eux truc... Eux sont notifiés Non, toi, t'es notifié que ton Bah notifié. Eux aussi, parce que du coup, il euh, y a un truc qui leur suit. Ah. Mais euh, l'air le, 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 tag et connecter leur téléphone ou comment ça marche euh, oui et non, en fait s'ils ont un iPhone, ils vont recevoir juste une notif pour dire il y a un truc qui te suit, il y a un AirTag qui, un air tag qui te suit. Okay. Voici comment le désactiver. Euh, ou si tu es sur Android, il euh, n'y a pas encore l'application, mais en tout cas il y a un bruit qui sort au bout de quelques jours, je crois qu'il fait euh, ah, genre il y a là, un truc. Bien foutu, hein. Bah oui et non. C'est vrai quand ils penses tu, tu, tu fous un AirTag sur n'importe qui et tu sais où il va. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Bref. C'est une bonne discussion qu'on vient d'avoir, je pense vraiment. Ça, c'est le truc, t'as pas besoin de le sous-titrer. On vient de se faire 6 minutes de nous deux. Ouais, de... De, de, de blabla quoi. Uh, Déco turf, turf, 16 lapsus sur lapsus terrible. Thanks very much. Uh, what else? Allez, posez des questions uh, pour Verino, vu qu'il est là. Uh, pour uh, la première uh, moitié, je traduis pas le laps du lapsus. Ah, ah oui, parce qu'ils le... sont deux sur les sous-titres. Uh, whatever, est-ce qu'il y a des consonnes en anglais qu'on prononce uh, en mettant la langue d'une autre façon qu'en français? Bah écoute, bienvenue sur la chaîne Diction de. Diction de. Est-ce qu'il y a des consonnes en anglais qu'on prononce en mettant la langue d'une autre façon Ouais, il y a tous Bah ouais, le T Non, parce que c'est avec le H Des consonnes, alors les voyelles, oui mais les H Des consonnes genre P, 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 P P et P C'est P Non, tu mets la langue de la Ah, mais c'est la langue Ouais, on parle de la langue Bah, il y a. Ah bah non Bah déjà, les T, on les prononce pas en anglais ah ouais? On fait « bottle » instead of « bottle ». Ah ouais, « moi. Mais bon. Mais « a cup of tea ».« A cup of tea t ».« <laughs> A cup of he? Tea ». Bah c'est plus la... Ouais, je sais pas. Non, je crois pas, hein. Bah, le « th com » combiné, oui, ça, c'est sûr. «« Frankie56 », le, Franck, the, qui, ouais. 56, le « the ». Oui, ça, vous êtes v incapable. The » de « ze ».« The »,« the »,« the »,« the ». Ouais, voilà, ok. The on, the. Va, on, va, on, va, on va aller là-dessus, sur le « the »,« the »,« the ». Sur le « the », mais il faut un... Le « r ». Est-ce que, est, est que le r est plus euh... le r il est complètement pas dans la gorge ah. il est euh, ouais. r il est devant genre ouais. si je dis euh, 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 uh, r, r, record record, r, record r, et vous r, record r, ouais. ah bah là ouais ok bah voilà le r euh... <laughs> j'ai vraiment j'étais et... satisfait comme un papy quoi <laughs> comme un papy bah voilà voilà euh, on euh... Le r. <laughs> euh, alors, hey, Fanny Lambotte, est-ce que c'est possible que je viveurino au Pranzo en 2010 ou 2011 Absolument, parce que j'y passais ma vie. Vraiment, euh, je passais énormément de temps à jouer dans tous les plateaux. Là, ça m'embête un peu parce que j'ai moins le. Avant, euh, avant ma reprise, je l'ai fait encore. Je, allé, je faisais quelques plateaux et c'était vraiment, j'aime bien parce que on a des vies assez solitaires ouais. où on joue énormément tout seul. Quand tu beaucoup de tournées, beaucoup de dates, tu t'es content que tes deux soirs par semaine de libre, tu les passes en famille mais en vrai euh, moi j'adore quoi je suis un gars de plateau, aller jouer 10 minutes, rencontrer les autres humoristes mmh. ça me manque un peu et puis tu te confrontes aussi au niveau des gars quoi oui, ça. Vu surtout, le niveau des quand mecs tu fais ton propre débarque. spectacle, ah, euh, t'es tranquille, t'es pépère. T'es bah, tout seul avec ton régisseur et peut-être une première partie. Mais quand t'écris tes nouveaux trucs et que tu dis je vais aller les tester en plateau et que t'arrives et que tu vois il y a des gars, ça fait 6 ans Qui rôdent sur tous les plateaux de Paris et ils sont c'est des tueurs en 10 minutes. Mmh. Tu dis merde, comment ça se fait que moi je remplis 600 <laughs> ouais. Et qu'ils gagnent. Mais c'est parce que tu, tu faisais ça euh, ouais, 6 ça. ans, 7 ans avant quoi. D'accepter de retourner être médiocre auprès de gens qui sont pas célèbres. Parce qu'il y, y, a, y, a, y a des gars, quand tu débarques là, qui, qui sont contents de te voir en ouais. mode de, Oh là là, euh, c'est cool que tu viennes. Puis en fait, tu vois leur niveau. Et dans leur tête, <laughs> dans leurs yeux, il y a un C'est cool que tu viennes, mais c'est un là, peu. » là, tu allais hein. tester des nouveaux trucs. Tu fais Bon, ouais. au final, je vais faire du, du mais, bon parce que ah non, sinon, je, je vais passer même. pour un con. Je teste et je passe pour une grosse merde. Mais de toute façon, je me dis toujours, c'est le futur qui compte. Et donc, il faut, il faut y aller. Tu fais de la merde, t'es ridicule. Puis le lendemain, c'est mieux. Puis le surlendemain, puis tu taffes. Quoi, et tu essayes en une ou deux semaines d'avoir ton passage de 10 minutes solide. Ouais. Et tu que les gars qui t'ont vu merdique. Ouais, <laughs> À, on verra un je suis content de l'avoir vu ouais. comme ça, il progresse et tout ça quoi. Ouais ouais mais ouais ouais il ouais. euh, y avait une le autre qui était était un cool. truc de ouf parce que pour le coup c'était vraiment l'un des premiers oui euh, euh, le Pranzo ouais c'était un genre un, un, un lieu moi j'étais je suis arrivé un peu plus tard après c'était genre à la, au, quand ça a déménagé en au Soginaz en vrai. face donc je connaissais pas le Pranzo mais j'avais été au moins Pranzo ouais j'étais au Pranzo euh, pour voir Sébastien Marx quand je suis ouais. arrivé en France parce que j'ai tapé stand-up anglais à Paris et t'en as qu'un qui était là et du coup ça a augmenté de une personne en plus depuis bah après on est plus, est mais c'est une invasion. Des... Ouais. Et donc le grand coup, placement. Euh... <laughs> et du coup j'avais vu son spectacle et je me suis dit ah le lieu il est cool, mais après quand moi j'ai commencé à, à faire ça, ça n'existait plus. Ça démarré où toi Ce gymnase. Ce gymnase c'était le, le 4 match. janvier 2013 chez Seb ah, euh, ouais. au New York Comedy Night. Ah ouais. ouais, ouais. Et le, je crois que mon uh -huh. premier... Euh, en euh, truc en français c'était au Underground Comedy Club ouais, mais euh, à l'époque quand c'était au, quand au dans la cave là dans la cave je m'en rappelle ouais. plus euh, comment bah, ça s'appelait Le pas Underground Café tout simplement non c'était le, le, le nom du café il est toujours là et c'était rue euh, je m'en rappelle plus quoi non, mais en bas, à la ouais, rue Montorgueil c'était pas Cariatide ou oui. ah, c'est ca les... ça ouais les Cariatides je crois que c'était ça c'est ça ou c'était pas là où, où jouait Topito à un moment donné je vais regarder mais ouais, c'était ah ouais, le, euh... le truc de Topito, c'était mortel. L'endroit où il je... y avait 100 personnes oui, en ouais, croix. Ouais. Mon Dieu, le pied. Quoi. Mais euh, je mens parce que la, la première fois en français, c'était au sous gymnase. Et dans le public, il y avait Soon qui ouais. organise le ah, oui. Underground. Il m'a vu, il a dit Ouais, euh, je fais un autre plateau, machin. Et j'aimais bien leur logo euh, avec le, chouette, le, hein. le, le Underground euh, de Londres. Ouais, je me sentais un peu à la maison. <laughs> C'est vrai. Euh, bonne question ah. de. Régis Canon, je ne sais pas si tu as fait un podcast avec lui déjà. Euh, il, il est belge et il fait des podcasts euh, d'humoristes, beaucoup de québécois, ouais. euh, mais des belges aussi. Euh, et il s'appelle Régis si Canon. Très possible. humour, humoristique. En fait, j'ai parlé avec un belge il y a pas longtemps et je me souviens, je, je me souviens du nom <laughs> du podcast, mais pas du gars. Humour humoristique. Bref, il. Par exemple, il... c'est les Cariatides. Cariatides, euh, ouais. ok, super. Moi aussi, je fais une capture d'écran. <laughs> ouais, Elle fonctionne un peu moins bien. Ouais. Mais euh, moi, je fais ça souvent. Et donc, il, il pose la question. Euh, quel souvenir gardes-tu de, de On ne demande qu'à en rire euh, bah, J'allais euh... poser la question, mais j'avais oublié. Déjà, euh, c'est quoi On ne demande qu'à en rire Parce qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas français, ils savent pas c'est quoi. Et ouais. ouais, quel souvenir. On ne demande qu'à en rire, c'était une émission de télé euh, 2011, 2010. On, moi, je suis arrivé en 2011 et ça a duré 3-4 ans, donc 2014, c'était terminé. Euh, dans laquelle on venait jouer des sketchs et on était noté par un jury. Et si t'avais plus de 60 points, au total sur 100 euh, donc c'est-à-dire si chacun te mettait 12, tu pouvais revenir la semaine d'après et donc euh, donc c'était à la fois euh, à la fois très très positif parce que d'un coup, il y a énormément d'humoristes qui pouvaient jouer. On avait une place en télé et ça, c'était impossible en France de le faire autrement qu'en le faisant de cette manière-là, la manière du concours, quoi. Et à la fois très frustrant parce que tu montes sur scène, que tout le public a une manette, eux ils notaient, puis leur moyenne était décomptabilisée, euh, et, et tu jouais devant euh, quatre l'animateur et trois jurés qui te mettaient chacun une note. Et donc, tu jouais avec la pression de la note, quoi. Et ce qui est terrible dans notre métier, parce que notre métier, il est... Il est bah, dans la note, dans elle le est don, déjà quoi. là dans le, rire, ouais. dans le rire, ouais. On, ouais. Dans le rire, on est déjà jugé. Et t'as pas... Et puis, donc, à la fin, que le mec, il te dise... Euh, euh, ouais, 12, c'est bien. <laughs> je dis, bah, va te faire enculer, mais... <laughs> mais donc, tu peux pas le dire, déjà. En ouais. plus, euh, en c'était Moi, je suis un gars trop gentil, je crois, et un peu trop... Euh, J'étais trop scolaire à l'époque, c'est-à-dire que... Euh, je, je donnais une, pas une importance à leur, à leur discours, mais en tout cas j'y étais attentif. Et donc euh, je montais sur le plateau avec l'envie d'essayer de correspondre un petit peu à ce qu'ils faisaient. Mmh. Et résultat, j'ai mis du temps à proposer vraiment du stand-up sur le plateau là-bas. Et j'ai mis du temps à faire vraiment ce que j'aimais. Et puis quand je faisais ce que j'aimais... Parce bah, que c'était très, très, très basé sur du sketch en fait. À la bah, base. En fait, au début j'étais énervé parce que quand je faisais du stand-up, ils me mettaient des notes pas terribles. Puis à la fin, je me suis dit, bon, déjà, je vais accepter d'avoir une note pas terrible, tant pis pour moi. Enfin, pas terrible, tu vois, c'était 15, mais tu ne pas le 19-20, quoi, tu vois. Ouais. Ça m'arrivait rarement d'avoir plus de 90 sur un sketch où je faisais du stand-up, parce qu'il faut que chaque van soit hyper béton. Mm. Et puis c'est un public qui n'était pas éduqué au stand-up. Tu ouais. venais avec une perruque et un personnage, tu pouvais écrire un sketch en 10 minutes, tout simple, qui fonctionnait, il y avait des blagues tout le temps. Alors que le stand-up, ça demande du ouais. rythme, ça demande de... C'est du jazz, quoi, tu vois, c'est pas c'est vraiment un truc euh, dans cette émission c'était pas facile mais j'ai appris à me battre contre donc j'ai progressé là-dedans et puis à la fin surtout ça m'a déclenché l'envie de ne plus jamais faire de trucs à la télé euh, <laughs> comme ça quoi j'avais envie d'être libre donc c'est ça qui a déclenché mon envie de Youtube et d'une parce que j'avais 50 passages dans l'émission euh, et que donc quand tu tapais Verino sur Youtube il y avait 50 trucs à regarder dont j'étais pas fier mm. euh, donc ça c'est le, le premier point donc je me suis dit bah je vais, je vais monter une chaîne et je vais tellement mettre de contenu que quand les gens ils tapent Verino ils ça apparaît jamais on demande qu'à en rien et puis du coup euh, même bah ouais, ouais c'était vraiment ça mon, mon moteur et puis en plus c'était le moment aussi euh, où euh, internet commençait à prendre je commençais à me dire tiens il y a des tas de, 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 de mecs de, de Youtube qui commencent à monter sur scène mm. soyons malins et puis et, euh, et puis, euh, et puis euh, et puis j'avais ouais ce truc dans le monde carré où je me dis non j'ai envie d'être libre en fait j'ai plus envie que quelqu'un me dise quoi faire ou me donne des conseils ouais. parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu fais quelque chose ok tu t'es peut-être planté mais un mec qui te donne un conseil qui est faux à l'écran ouais. euh, la semaine dernière tu refais un autre truc et il te dit ah t'as pas écouté mes conseils ben non j'étais pas d'accord avec tes conseils tu vois <laughs> et donc voilà c'était euh, une bonne expérience pour ça et en même temps euh, et en même temps euh, je suis content que cette visibilité ait disparu parce que je suis beaucoup plus fier de ce que je fais maintenant quoi Ouais, et puis on a la chance maintenant qu'on peut créer entre guillemets ouais. notre propre euh, euh, visibilité. Ouais, ouais. ouais. <rire> <Disponibilité>, <rire> Moi j'ai beaucoup. Ouais ouais, 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 j'allais dire ça. <laughs> mais, euh, mais, ouais, c'est Raquel qui dit euh, la télé c'est le mal ouais c'est c'est difficile parce que en fait c'était le seul média donc euh, donc euh, on en dépendait et puis euh, mais tu sais maintenant on a les mêmes problèmes sur YouTube quoi ouais. avec la monétisation avec les, les, les histoires d'algorithmes avec ouais. tu vois moi il y a un truc quand j'ai démarré sur YouTube je m'arrêtais fin juin je redémarrais début septembre euh, quand je redémarrais en 2015 tu vois quand j'ai démarré ma chaîne quand je redémarrais bah, ça reprenait tout de suite quoi là aujourd'hui euh, bah en fait YouTube désabonne des gens je sais pas pour quelle raison euh, si t'as pas activé la cloche euh, t'es pas notifié ouais. et donc quand tu reprends bah, moi, il y a des gens qui débarquent au mois de novembre. On me dira ah, Putain, j'ai 12 vidéos de retard. Quoi. <laughs> ok bah, Oui, ouais, bah, c'est ça. ouais c'est faut vraiment être. Euh, euh, faut être en permanence à, à, à l'écran sur YouTube. Oui, bah, pouvoir... et, 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 et souvent, c'est comme avec ce truc-là que je, je, je fais un. C'est les lundis à 20h, et je le répète à chaque fois. Et donc, du coup, c est, c est les gens qui sont vraiment intéressés, ils, ils, ils vont voir le truc. Mais par rapport à, 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 à certains trucs qui sont dans le même délire où il y a des humoristes qui parlent ou des gens qui parlent, c'est pas du tout vu. Euh, ouais. En, en vrai, c'est pas beaucoup vu, hein, tu vois. Et euh, tu parles de, to de, ton, ouais, ouais, de, de ton de mon truc, truc à moi, par rapport à d'autres, euh, par rapport à d'autres trucs. Et, euh, et ouais, mais après, c'est il y a toujours un, un truc très long. Quoi, là, t'es à 20 000 abonnés, je crois, sur cette chaîne ou pas loin. Euh, ouais, pas loin. Ouais. D'ailleurs, 20 000 euh, mm -hmm. Je vais là, je crois que la semaine prochaine, c'est le dernier de la saison, parce que euh, parce ah bah non qu faut pas en faire un dernier. faut continuer toute la vie, sinon tu vas. Re ouais, ce ouais que je c est c est dit avec les ouais, algorithmes. Ouais. Mais, <laughs> mais moi, c'est en... là, je peux, je peux, je peux. Il fait trop chaud, en fait. Et les gens, ils sont en vacances. Donc, euh, je crois que j'ai peut-être. C'est sûr que la semaine prochaine, j'ai Déjà la, la, la guest euh, C'est Sarah ah. Donnelly euh, qui, sont... qui a déjà été sur le show Faut qu'elle vienne à trois Hein Non elle est toute seule Ouais ah elle est ouais, toute seule c'est la merde ah hein. ouais ouais, ouais si elle, elle est toute seule Ça n'a plus aucun sens ta chaîne C'est le bordel <rire> <rire> et, euh, et après elle J'ai peut-être une autre guest euh, Musicale Mais je ne sais pas euh, Parce que c'est pas encore confirmé Et si j'ai pas ben bah, je C'est Sarah la dernière Parce que sinon euh, C'est juillet Et puis tout le monde S'en bat les couilles Donc euh... fait... C'est la première saison Ou c'est euh, la deuxième bah, en fait Techniquement c'est la troisième Mais c'est la première avec des guests Hmm. Parce que euh, j'ai commencé ça chez moi avec oui, je ma suis... webcam, oui, je me souviens euh... euh, premier confinement jusqu'à juillet, et ensuite j'ai repris en septembre okay, ouais. ici tout seul ouais. jusqu'à décembre et, et, en tu, et tu discutais tous les lundis tout seul avec les gens c'est ça ouais je, je sais. donc ils me connaissent tous euh, beaucoup trop en fait. <laughs> c'est ça euh... le problème c'est que les gens <laughs> ils te détestent abonnez-vous non on va pas s'abonner on, on euh, s'en fout on a eu et... on a une autre dose de Paul ouais. Taylor, on l'a jusque là et, euh, et surtout les, les deux autres saisons c'était sur ma chaîne principale ouais. et euh, j'ai parlé parce que un des un de mes guests euh, mmh. cette année ah oui bah je, ça fait partie des questions que je vais te poser pourquoi tu as créé une chaîne secondaire bah, et donc vas-y parce que euh, donc il y a un gars qui s'appelle Nathaniel Drew qui est un youtubeur euh, américain qui est très pas, et il a 1,3 million de, 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 de subscribers, euh, ouf, hein. euh, non <laughs> c'est comparé euh, à d'autres gens anyway il, lui il, il, on parlait un peu parce que lui il est un peu il, il s'y connaît plus dans la stratégie youtube que moi ouais. moi c'est juste une fenêtre pour euh, mon contenu ouais, après pareil. comment ça de quelle forme ça prend est ce que c'est 3 minutes est ce que c'est une minute est ce que c'est 1 heure 15 ça c'est donc lui il m'a dit en fait le le, le, le Probablement un truc qui, qui te dessert, c'est que tu fasses des trucs de 1h15 sur une chaîne où, euh, qui a été principalement connu pour des vidéos de 3 à 4 minutes. Ah. Donc c'est mieux si tu crées une autre chaîne. Parce que du coup, là, sur, euh, sur euh, les 300 000 abonnés que j'ai euh, presque sur l'autre la, chaîne, euh, ça, ça faisait euh, 5-10 000 vues. Ah ouais, ouais, Et ils disaient, ouais, ouais, ouais. Euh, l'écart est, est trop grand. Donc YouTube, ils vont dire... Ah, ces vidéos, ils sont plus ouais. aussi bons qu'avant. Ah, donc tu vas desservir ta chaîne principale sur laquelle ça. tu sors ton C'est ça. Et court. donc j'ai créé la nouvelle euh, en janvier. Et du coup, j'avais plus de vues que d'abonnés pendant longtemps. Et c'est souvent le cas, tu vois, les, ouais. les, les, début, les, ouais. les, les vidéos, les, ces interviews qui ont été plus vues, c'est genre dans les 23, 24, 25 000 euh, total. Et donc, comme j'ai moins d'abonnés, enfin, c'est plus. Euh, donc YouTube je je trouve que, sais que ta pas. chaîne est intéressante. Enfin, je ne sais cas, pas si c'est vrai est ou, est ou pas, relatif. mais c'est pour ça que je me suis dit, je vais créer une nouvelle chaîne. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais. J'avais commencé les podcasts aussi, mais euh, je m'étais juste, euh, juste en son. Et effectivement alors moi ma première ma première interview avec Boone elle a fait genre 90 000 vues la deuxième avec Vizorek elle a dû en faire 50 je sais pas encore sorti ouais parce la que tu as fait tu tu t'es mis au podcast comme tout le monde aussi parce bah, que ouais, on avait parce rien d'autre à faire c'était le seul moyen de sortir d'avoir ton attestation, attestation, de... attestation. non et ouais, je suis allé bosser hein. <laughs> et tu vas boire des coups avec des gars ouais. tu le sens à l'oreille chez Vizorek. Ouais. moi j'ai j'ai en trop envie mais ça n'a pas arrivé en 14 mois que que la police m'arrête j'ai envie qu'ils m'arrêtent pour dire pourquoi tu es sorti après je vais au boulot et je leur montre la chaîne pour dire j'étais ouais. en live euh, avec cette personne-là que tu connais peut-être. Oh, trop! Mais ça mais pareil, jamais arrivé, ils s'en battent les couilles. Jeune, mais pareil, puis on est blanc, donc évidemment, ils nous arrêtent pas. <laughs> vous vous rendez pas compte la chance que vous avez, les Arabes <laughs> D'être arrêté. Moi, je me suis dit, je suis. Alors, euh, l'autre semaine, je suis parti en Angleterre pour chercher ma mère, pour la ramener ici. Et je me suis rendu compte à quel point, un, je me suis bien intégré en France, et deux, euh, comme je suis blanc, c'est que à la frontière, à la douane, enfin, ouais. partir là-bas, euh, je me foutais de la gueule de l'Angleterre avec les policiers anglais parce qu'il y avait trop de paperasse pour entrer en Angleterre. Ils sont <laughs> ah ouais là. Ouais, c'était un bordel. C'est notre euh, truc, normalement. C'est votre truc. Et donc, j'ai dit aux policiers français, je dis, ouais, normalement, c'est vous avec la paperasse ouais. qui est chiant et ça. Ils ont fait. <laughs> ouais, c'est vrai que les Anglais. Hein. Donc, moi, je rigolais avec des policiers français par rapport à l'Angleterre. Je me suis dit, ok, je me suis bien intégré en France. Je me fous de la gueule de mon propre pays. Et euh, ils m'ont pas arrêté pour aucune raison. C'était parce que j'avais pas les papiers corrects. Alors que tu avais de la drogue dans ton sac, on le sait tous. Exactement. Euh... J'ai raté le début du live, vous buvez quoi cette semaine euh, C'est bah, qui, 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 qui qui a dit ça C'est euh, Billy Lutrec Billy Lutrec, Ah, j'ai euh, loupé du C'est pas on, la seule on, information on. que tu as loupée. Hein. On a aussi parlé des air tags. <laughs> on a aussi. Alors moi, j'ai raconté ma life pendant très longtemps. <laughs> euh... Est-ce que vous ne feriez pas un sketch ensemble Eh ben ça c'est très difficile. Hein. Ah mais ouais ouais. as déjà fait un sketch avec quelqu'un d'autre Ouais, avec Artus sur... Mais il y a 5 ans... Sur le de Rire Alors sur une demande de Cam Rire, j'ai fait des trucs à, à plusieurs, mais je refusais quasiment tout le temps, donc il y a très peu. Et puis au gala de, de Jérémy Ferrari euh, qui s'appelle Les Duos Impossibles. Ah Impossible. les Duos Impossibles, ouais. Et j'avais fait ça euh, avec Artus. Et, euh, et en fait, moi j'ai une maladie, c'est que je passe les vannes quand je suis à deux. Tu vois, j'ai pas envie de puncher, je sais pas comment dire ça, mais j'ai ah. tu sais, une espèce de truc de. Euh, je, je, je vois la ligne, et machin. Et donc, euh, as, de, dans tous les trucs que j'ai fait en duo, t'as un mec très marrant et un autre qui passe les plats pour que, le, pour que la vanne oui, passe Oui, ok, je comprends, ouais. J'arrive ouais. pas à prendre ma place de stand-upper ou quand je suis premier degré, moi en stand-up, je balance mes vannes avec mon rythme, mais. Euh, ouais, c'est compliqué. Hein. J'avais fait euh, ça avec euh, Seb Marks ça Montreux. On a ouais. présenté tous les deux le gars anglophone et euh, j'étais surpris par euh, le l'efficacité du truc en fait parce que moi j'étais bah, là oh, je, je sais pas comment on va faire ça ça va être dur et tout ça mais on arrivait bien il y a une espèce d'égalité dans le, dans les égos déjà et ouais. dans le et dans le, la manière de traiter les sujets avec mmh. Ar, avec Artus euh, Artus c'est un mec qui a un charisme de ouf c'est vraiment un des gars que j'admire le plus dans le métier et donc euh, donc il euh, y, y a vraiment une différence physique il une sur laquelle on jouait et donc, euh, on était forcément le clown blanc et puis l'Auguste, quoi, tu vois. Ouais, vous, vous pouvez être tous les deux, euh, et puis deux stand-uppers. Arthur, c'est pas un stand-upper. Ouais, uper, je tu comprends, vois. je comprends. Donc, il a fallu jouer une scène, dans la... et puis c'est un comédien de ouf, quoi, tu mmh. vois. Donc, euh, donc, vraiment, il envoie. voit. Et, euh, et je suis pas rentré en compétition. Je sais pas comment dire ça, dans... quand tu joues une scène à deux. Ouais. Il y a forcément un, une espèce de, de rapport de force. Euh, euh, ouais, t'as pas envie que l'autre mec quoi. il a une blague qui rigole plus que toi ou ouais, inversement et tout ça. ça. Ouais. Et moi je rentre pas dans ce combat mm. et donc, euh, donc, euh, donc je suis moins marrant parce que j'ai pas envie de rentrer dans le combat, tu vois. <laughs> <laughs> c'est con mais c'est vrai. Je dis, non, vas-y toi. Ah ouais, je comprends. Euh, deux trucs. Un, euh, ta bière elle est vide. je vais chercher le truc. Ouais, ouais. Et de deux, euh, on va tester ton niveau d'anglais là. Yeah. Ah! T'es sûr qu'il qu faut me resservir une bière pour mon niveau ah, d'anglais Ouais, c'est encore mieux. Ok. Uh, I mesda will try. Mes, mesdames et messieurs, c'est l'heure du, euh, du live euh, qu'on vous vous allez tester. C'est même pas moi, c'est vous vous testez le niveau d'anglais de Verino euh, en partageant vos expressions préférées euh, anglaises. Ah, c'est les expressions en plus. C'est des expressions. Ça. Ouais. ouais c'est donc. C'est donc je suis vraiment foutu quoi. est ouais. Parce que la limite, moi, si tu me parles comme. Euh, like euh, a normal English person. Hello, how are you Yes. Uh, I, I, can, uh, I, I can swear. <laughs> exactly. That. Yeah, okay. But I galère déjà. Yeah. <laughs> <laughs> But I can. Uh, uh... bon, on va, on va voir du fun. On uh, va voir du fun. Euh... fun. Attends, je. Donc, euh, partagez euh, vos expressions préférées anglaises et puis on va voir déjà si il les connaît et si <laughs> Marion on le allait, jeune. On... Heureusement qu'il ne devait pas boire. C'est vrai que j'en suis à ma deuxième bière là-dedans. Ouais. Et j'ai des médocs, les amis. Je, vraiment, j'ai des trucs anti douleur anti-je sais pas quoi, mais alors, je plane toute la journée, quoi. C'est un truc de ouf. T'es fatigué tout le temps Non, je plane. Je <laughs> suis vraiment... Je plane, ça veut dire quoi C'est-à-dire je suis défoncé, quoi. Euh, ah. J'ai l'impression d'avoir... Quand tu sais, comme quand tu filmes et après tu diffuses le film en une image sur deux. <laughs> et c'est ma vie, ça. Comme quand tu as des, 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 des LED à la place de tes, euh, de tes ampoules euh, euh, halogènes. Ouais. Tu vois, et quand tu fais ça... La LED elle scintille, il y a une image Oui, chose. ouais, je comprends. Bah, bah, ma vie c'est bah, pareil. Alright, ladies and gentlemen, it's time. Yeah. Uh, attends, il faut que je fasse le jingle. <laughs> Fucking express your Oh, you've got something interesting to say, do you? We'll go on. Say it. Say it in English. you know, I'll pass it en français, and we'll see if it's interesting. Comme j'ai pas les écouteurs. Euh... Ouais, t'espères que c'est terminé. Ouais. Euh. Right. On va commencer avec flamboyante. Yes. To paint the town red. Donc c'est euh, peindre la route en rouge. Non, pas du tout. Si dans la ville, rouge. presque peindre la ville en presque rouge. Euh, rouge. rouge. Est-ce que c'est pas un truc genre euh, euh, ça, doit, ça doit être des expressions marrantes ou pas du tout euh, Ça peut être des expressions marrantes. Donc euh, ça peut être n'importe quoi. Alors ouais, mais, mais ça, ça... c'est une expression qui existe C'est une... ouais. Que les gens disent. Mais il faut que je la regarde parce que parce je... que toi-même tu sais pas. Ouais, Bravo j j je crois que ce que c'est, mais c'est juste. Euh... Moi, je dirais que c'est genre un truc, euh, genre il faut plus y aller, tu vois. Euh, c'est pas en rouge, comme, comme, comme euh, à l'époque de la peste où on mettait des trucs sur les portes. J'ai l'impression que c'est un peu l'endroit le, 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 où il faut pas aller. Mais je, vraiment, c'est du pif total. Je ne maîtrise pas. Non, mais euh, c'est. Presque lié, mais pas du tout. Euh, <laughs> c'est euh, euh, le presque et le pas bah du tout. Moi, en j'ai entendu en temps, dans, 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 le, dans le contexte de, de on, va, on va se bourrer la gueule, on va passer un beau moment, tu vois. So ah. We're going paint the town red. Ah, donc c'était quoi C'était torché Je crois, tu crois que c'est du sang <laughs> <Ouais, rire> C'est quoi C'est tellement tu passes un beau moment, euh, je sais pas, tes gorges des vaches. Je sais pas pourquoi c'est paint the ah, town ouais. red, je sais pas d'où elle vient. Donc c'est ça, toi, euh, que tu dis et euh, eux, et, euh, et, et bah, C'est ce que j'ai fait. I'm ready to paint the town red with a few of my closest friends. Going out and enjoying yourself by drinking okay. alcohol, yeah. dancing, laughing with friends, etc. Mais après, je sais pas l'origine d'où ça pas... vient. Mais toi, dans ta tête, on égorge une vache. Euh, ouais, je sais pas, ça doit être fun ça. Ah, non, ouais, ça être... Je sais pas, j'ai pris ça. Un non, gros en fait, bisou je... pour tous les vegans. Dans ma tête, c'était, euh, tu sais, dans l'Espagne les, les, où ils font les, la corrida dans les rues. Ah ouais. Je sais pas. Je... I don't know where paint the town red comes from, mais c'est ça. D'ailleurs, euh... en passage, je le dis, euh, je n'aime pas la corrida. J'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux. Non, moi, je trouve ça. Je, je, moi, j'aime bien l'excuse euh, qui fait en se disant Ouais, ça fait partie de la tradition. Oui, ouais, la tradition. Dire, mais la tradition aussi, à une époque, c'était de. de, 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 de de vendre des gens noirs oui c'était <laughs> ça de j ai, j ai, ouais j'allais dire uh, to own ouais. black people comment tu dis Apart, euh, de, de, de posséder posséder c'était posséder d'autres gens non, non, ça c c une ça. tradition à l'époque c'était pour les et traditions il y a aussi changer, le coup, des, 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 euh, le, le coup des, des ouais mais les gars si aujourd'hui on leur enlève leur métier ils ont plus de taf etc et euh, là on parle pas que de la corrida on parle mm. même de la de la viande de manière générale <laughs> ouais. et oui effectivement oui effectivement mm. mais il y, y a une époque où il y a effectivement des mecs qui vendaient des hommes noirs et qui ont eu beaucoup de mal à regagner leur vie derrière parce que ça se faisait plus quoi bon bah on évolue la tradition en fait c'est ça c'est comme, hein. comme quand les gens, les, 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 les gens ils sont contre des trucs de technologie. Et je dis, mais à l'époque, quand l'email est sorti, ouais. est-ce que les gens de la poste ils sont sortis dans la rue pour dire on veut pas d'email, on veut pas d'email Tu vas plus loin. Les premiers singes qui sont descendus des arbres, il euh, y en a forcément qui ont dit non, non, il faut rester dans les arbres, on est des singes. Les mecs, ils ont mis les pieds sur terre, ils ont commencé à marcher. <laughs> et puis voilà, il y a un moment, en fait, tu peux pas refuser l'évolution et tu dois la travailler, tu dois l'accompagner. Mais de la même manière que. T'es arrivé quand, toi, en stand-up euh, en vrai 2013. J'ai commencé avait... en Angleterre un peu avant, mais okay. j'ai que fait une dizaine de scènes. Parce que moi, j'ai commencé en 2006. Euh, et il y a Be Reduc à ce moment-là qui est arrivé. Mmh. Et quand oh Reduc Dieu. est arrivé, tout le monde disait ouais mais ne faut pas y aller parce que c'est des trucs qui vont... » Ouais mais en fait, il y a un moment tu te rends compte si c'est le futur ou pas et si c'est le futur, tu es obligé de l'embrasser, tu es obligé d'aller avec. Ouais. Sinon tu es tebé, tu restes sur le bord de la route ouais. et tu finis par tu sais tu le ronchon qui fait bon d'accord. Ouais. » <laughs> Non, moi je pense que et la Bireduc euh... maintenant leur site web, il est un peu euh, il a pas évolué depuis dans non, le sens vrai où il euh, y a d'autres sites web qui, qui sont plus user friendly ouais. et Bireduc font enfin, non non, on va on va on, on a <laughs> créé le futur et on reste dans notre ancien futur. moi je crois technologique et je pense même que c'est ce qui j'espère je, je, que c'est ce qui va nous sauver parce que je vois pas comment l'humain euh Peut arrêter de, de consommer j'ai discuté on va parler sérieux deux secondes j'ai discuté avec une, une candidate euh, europe écologie les verts qui dit en fait il faut arrêter de consommer tout euh, net maintenant et c'est un truc moi je suis écolo mais je crois pas du tout que c'est possible je crois pas du tout que tu dis aux gens on arrête stop machin enfin, tu vois on a, on a fait ça pendant un an avec le covid là on ouvre les bars c'est reparti quoi Alors, ouais, donc euh, c'est parti encore pire euh, que Mais c'est euh, comme avant. une femme enceinte où elle a arrêté de boire pendant neuf mois euh, quand, <laughs> quand elle accouche elle est avec sa bière sa club ses sushis à la maternité tu vois Alors, en fait c'est pas je, je crois je, je crois euh, que c'est dans l'avenir, euh, dans, dans les technologies qu'il faut trouver. Ouais. On va pas euh, éviter ça. Bon, alors, pardon, du coup. Euh, J'ai fait so ouais, Non, ouais. je suis pas. Non, non, non. Ouais. Uh, France Albion. To, to be, be a lightweight. Lightweight. Alors, attends. Lightweight. Oh. Oh, ça, très approprié pour, pour aujourd'hui. C'est euh, Alors, attends. Ouais. Du coup, comme tu dis, très approprié. Euh, C'est-à-dire légèrement vêtu Ou ça veut dire genre. Euh, non, ça pourrait être, mais. Mais il y a du léger dedans. Lightweight. Du léger, donc, poids léger. Euh, c'est ça, wave Ouais. Euh, donc ça veut dire que... Imagine euh, euh, en référence à l'alcool. Ouais. Donc ça veut dire que t'as pas beaucoup bu, quoi. Non, si, ça veut dire que t'es complètement torché, mais on rigole de ça. C'est du second degré. Presque, c'est que t'es es bourré, mais avec pas beaucoup d'alcool. Genre, ah. tu, tu, tu tiens pas ton alcool. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah c'est très possible, hein, comme j'ai pris les médocs, je t'avais prévenu. Si je... Non, mais c'est très possible que je sois déjà bourré et que ce soit gênant pour tout le monde. Si ça se trouve, cette vidéo, je vais la re-regarder et je ferai Ah ouais, non, mais là. Déjà, il faut regarder cette vidéo à 0,25% de la, de la vitesse. De la vitesse. <laughs> euh, donc, a lightweight, yeah, to be a lightweight. C'est souvent euh, une insulte que les Anglais ont dit aux ouais. autres gens, genre, hey, ça fait deux bières, you're a fucking ouais. lightweight. Genre, tu tiens pas quoi. Tu tiens pas, Il n'y a pas une, pas une expression plus que tu tiens pas l'alcool en France Je vois que ça moi, mais peut-être. Ouais. Euh... Oh, il doit y avoir des trucs euh, pas féministes, tu vois. Genre es une espèce de gonzesse euh, qui. Oui, ouais, <laughs> il doit y avoir ça. Uh, right. uh, Régis Canon, humeur humoristique, il est de retour. To let the cat out of the bag. Euh, euh, bon, bah je comprends ce que ça veut dire, euh, Donc, la phrase. En français, c'est quoi euh, Bah, si tu, sors le, tu, tu laisses le chat sortir du. Donc, c'est en gros, tu laisses le tigre s'exprimer quoi. Est-ce que ça veut dire que. Est-ce ça a un rapport avec l'alcool ou pas Non. Non Est-ce que ça veut dire que tu fais ton coming out alors, euh, pas forcément euh, coming out, mais ah ouais. dans un sens, ouais, c'est un peu genre... Tu, as tu, tu partages chose, le, le secret. En fait, tu, tu sais... Ouais. Admettons que, que... Bon, ok, que, je suis pas marié depuis 21 ans. Je dis ça, euh, <laughs> c'est ça Ouais, tu, tu, ou... Tu au grand jour, quoi. Et imagine que toi, tu as un secret que moi, je connais pas. Ouais. Mais par accident, euh, tu me le dis. Ah, okay. Tu vas dire, par exemple, euh, en fait, Fanny, elle veut plus te produire Paul. Ouais. C'est l'info <laughs> que tu as. Moi, je suis pas au courant. Et ouais. d'un coup, tu dis, ouais, donc du coup... Comment ça va se passer du coup quand tu seras plus avec Fanny C'est ça Ouais, c'est ça. Et là, on te dirait oh shit I let the cat out of the bag t'as oh laissé sortir shit. le chat du. Okay. parce que imagine ouais. un, imagine le chat dans le sac qui est fermé ouais ouais. le chat il est il est, il il est, est vraiment védé, dur à retenir ouais. et quand tu le laisses sortir bah il est sorti ouais. c'est impossible de, de faire donc, chemin faut, inverse faut égorger la vache quoi <laughs> je pense que tout, tout a terminé par une vache égorgée <laughs> good one bah tu l'as eu celle-là elle est bien Ah ouais. Euh, uh, ouais ouais écoute j'essaie de. Uh, right let's do a couple more euh um, euh uh, Putain, y en a des pas ok, mal, Alan Fresco, to a shit a brick. Ah ouais, ça veut dire t'es constipé. Non? Euh, Il y a pas un euh, truc? Euh, alors euh, oui, mais pourquoi ah, est-ce pas... est que t'es constipé? Il y a mille raisons. d'être constipé euh, ce serait l'équivalent parce que c'est plus... ah non parce que t'es coincé, es, euh, genre t'as un balai dans le cul. C'est pas ça l'équivalent? Non. non? non. Euh, genre attends, je... en France on ferait juste ça. Il y a pas de mots, c'est juste. Ah tu flippes t'as peur ok d'accord t'as peur tu te chies dessus quoi tu te chies dessus okay, mais okay. Euh, genre une brique parce que du coup t'as hyper peur donc tu te, je sais ah ouais. pas alors, alors nous chez ch nous il ch ch y a break. plus une image de diarrhée je pense hein. <laughs> euh, chez nous il y a plus une image de, de c'est pas voilà on a pas envie de que la voir comme, comme toutes les maisons en Angleterre elles sont faites avec des briques rouges bah du coup euh, <laughs> c'est le truc on dit ouais bah tu les chies une brique ah là je chie une brique Genre je monte sur scène demain devant 3000 personnes là je je chie I'm shitting bricks ah ouais ouais ok d'accord attends il en avait un vachement bien ouais vas-y choisis to talk « The hind legs, oh my God. Ouais. Ça, hind legs of a donkey ». Alors ça, c'est approprié aussi. « The hind legs of a donkey ». Voilà. Alors Donc, ça, par exemple, tu, tu... moi, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai bien fait de le choisir. Alors, « les... hind legs hind, ». Je ne l'ai pas. « Hind legs », ça doit être le… le, le... C'est les jambes derrière. Les pattes okay. arrière. Les pattes arrière. Je ne sais tu... pas pourquoi on dit « hind ». Donc, tu parles aux pattes arrière d'un singe. Non, en gros, non, tu non, peux... non, non. Tu, tu, tu parles… Euh, tu, 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 littéralement, c'est c'est Donc, t'as un âne ouais. et il a plus de jambes arrière, plus de pattes arrière parce que t'as trop parlé. Un âne C'est pas un singe, Donkey Non, un monkey. Avec un M, c'est un singe. Donkey, c'est un âne. Et Donkey Kong, alors c'est qui Je suis perdu, les gars. Hein tu sais quoi <laughs> C'est moi. J'avais jamais fait le. Ah ouais, donc Donkey Kong est La un bombe... âne. Non, non, c'est un, <laughs> un singe, Donkey Kong. Sûr. Mais why is he called Donkey Kong and not Monkey Kong Yeah. Why Eh, hey, tu poses des bonnes questions, hein. Putain, je te le dis. Donkey Kong, ouais, donc c'est clairement un singe. Donkey Kong, c'est une série featuring The Ape named Donkey Kong. Why donc, is it called Donkey Kong? Donc, Donkey, c'est un âne. Il n'y a pas un âne dans, dans le truc. Non, pas du Il n'y a même pas d'âne. Donkey Kong, euh... c'est sûr, c'est un singe. Là, pour le coup, sur Mario, eh, tu ne eh, pas. Eh, <laughs> si vous savez euh, dans le chat ou dans les commentaires pourquoi ça s'appelle Donkey Kong, lorsque euh, c'est pas un âne, euh, c'est un, un singe, putain. Ouais. J'avais jamais. Hein. Eh bah, écoute, euh, écoute, écoute. Alors, du coup, ouais, donc, tu parles tu, tu de, de hind legs of a donkey. Ouais. C'est comme ça que ça se prononce non, ouais. pas du tout. Hind legs. The hind legs of a donkey. Of ouais. a donkey. Euh, je dirais que. Donc, tu parles aux pattes arrière. Bah, tu te prends tu, des coups, tu, en fait. Tu, tu, parce qu'il parle. Non, non, euh, non? tu parles pas au, au. En fait, c'est la. Tu parles The hind legs of a donkey, non of ah. a donkey. Sorry, of. En gros, ça veut dire que l'âne, il n'a plus de pattes arrière parce que tu as parlé. <laughs> en gros ça veut dire que tu parles beaucoup. Ah ouais. Bah, Genre. Je peux vois dire, pas bah... pourquoi ce serait approprié. <laughs> Je vois pas ce qu'on essaye de me dire. Tu peux, si tu dis ça de quelqu'un, tu dis à ah, lui, uh, he, ah could, ouais. oh, he can talk the hind legs off a donkey. Ah ouais, ça veut dire okay. qu'il parle peut, tellement, il parle ouais. beaucoup, mais pas forcément mauvais. Tu sais. C'est genre il parle, il bavarde. Ouais, ouais. ouais. C'est ça. Ouais. Um, right. Moi je me tiens d'habitude, hein, je vous jure, hein. c'est parce que je l'aime bien et que j'ai envie de partager des trucs et <laughs> je me rends compte que je partage rien. <laughs> euh, alors on en fait un. Ouais, le dernier, Rico Correa. The Early Birds. Gets the worm. Euh, je dirais que, en gros, les premiers, les premières personnes, donc c'est les premiers oiseaux qui ont les les les, les, les vers de terre. Ouais. Euh, donc ça veut dire que, euh, bah c'est le, le le premier à choper sa place quoi. C'est le c'est le premier premier arrivé premier servi. Euh... En fait. Ouais. Et, et par conséquent, en fait, euh, c'est un dicton. Je ne sais pas si on dit un dicton. Ah, ouais, un, ouais, ouais, ça marche. Un, en gros, ça veut dire euh, les gens qui se lèvent plus plutôt, euh, ah. succeed in life, plutôt que les left L'avenir appartient, appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est ça chez nous. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt C'est ça, la. comment je on dit ça en français ça, hein. ouais. le, le, le Toi, t'es left ou t'es left le... Moi, j'ai lèv... bah, trois enfants, mec. Je <laughs> suis un putain de left Moi, je me ouais. lève à 6h45 en ce moment. Putain. Le troisième, là, non mais quelle idée, 6h45 quelle idée, quoi. Je crois que je vais installer une clim dans sa chambre, juste. Je pense que le soleil se lève et qu'il a chaud et que faut que je trouve un truc pour mettre un noir total et lui mettre un réveil qui met une fausse heure pour qu'il croie que c'est le milieu de la nuit. Mais c'est 45, c'est pas possible, quoi. Ouais, et les autres, ils se levaient à 9h, c'était cool, mais lui... Euh donc ouais, non, je suis un lève et c'est vrai que depuis que je suis un lefto cest c'est-à-dire en gros, vraiment depuis le premier, je me lève systématiquement à, à au moins... Enfin, je fais une grasse mat quand je me lève à 9h. Ouais. Quand je me lève à 9h, vraiment, c'est la méga teuf <laughs> Tu vois, genre dimanche, ma meuf, elle m'a laissé dormir, je me suis levé naturellement à 9h en faisant « waouh merci <laughs> !» Et, euh, et quand, quand, quand je fais ça, c'est vraiment c'est vraiment une teuf quoi. Vraiment, euh, ouais. Et c'est de drôle parce quoi. que je me souviens la, euh, une des premières fois que je sais même pas si on s'est vraiment rencontré ce jour-là. Je crois que oui, peut-être on s'est dit bonjour, mais c'était la première fois. Euh, euh, c'était une masterclass que tu faisais. Je crois que c'était à Montreuil euh, sur un. Euh, c'était. Je me rappelle plus la fille qui organisait ça. Et du coup, euh, on était une quarantaine, cinquantaine d'humoristes nouveaux. Ouais. Moi, c'était genre un mois après euh, que la vidéo de la bise, elle est, elle est explosée. Elle est tété, ouais et du coup euh, c'était une masterclass où on était censé faire des sketchs et tu donnes des retours dessus mais c'était pas du tout ça j'avais parlé toute la journée ouais c'est ça ouais, avais, avais, en fait non c'était juste comment plus... s'appelait cette fille c'était ah oui Loreline ah oui Loreline 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 ouais je sais pas comment le prononcer Laura quelque chose et... Ah putain, t'étais là ce jour-là. Et tu racontais le fait que le truc qui t'a donné un plus de boost de productivité euh, pour, ah, ton, pour tes sketchs et pour écrire, euh, c'était avoir un enfant et t'es obligé de te lever bah, et obligé de t'organiser. 2014 à ce moment-là, je pense. Ouais. Et effectivement, c'était mon euh, premier 2016, fils. 2016, c'était euh, ce truc-là. Ah, bah alors le deuxième venait de naître. Et effectivement, déjà, ça me donnait énormément de matos. J'écris beaucoup sur mes enfants, j'adore ça. C'est vraiment un truc qui me réjouit. Et, et qu'il faut. Enfin, tu vois, mes producteurs me disent ce serait bien de, de passer. À autre chose et c'est vrai dans le nouveau spectacle j'en parle beaucoup moins mais quand même j'adore j'adore écrire sur mes enfants ma famille c'est ce que j'ai le plus ouais. proche c'est le, 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 les rires immédiats que j'ai et, euh, et c'est vrai qu'avant je travaillais pas autant quoi depuis que j'ai des enfants bah, en fait l'espèce de, de, de rigueur que ça t'apporte c'est à dire tu les emmènes à l'école moi je les dépose à l'école à 9h euh, à 9h5 je suis au bureau et quand tu es au bureau à 9h5 en fait euh, bah, tu as rien à faire à part travailler quoi donc euh, en fait bah, tu crées tu, tu grattes et tu te rends compte de tout ce que tu peux faire qu'on en parle plus parce que moi j'ai l'impression j'ai moi c'est complètement l'inverse ah, je me sens beaucoup moins productif euh, depuis euh, ah, après il y a eu le Covid en même temps donc du coup ça a Ouais ça c'était dur parce que du coup euh, et puis toi elle est, elle est, elle est, elle est petite donc toi ouais. quand ils vont quand elle va commencer à aller à l'école tu seras peinard quoi que tu vas faire le deuxième après enfin, Ah ouais. uh, non non c'est so, uh, uh, <laughs> one and done uh, as we say in english. Um, donc, euh, pas mal euh, niveau anglais, en fait. En vrai, ah, mais je suis une resta, en moi. J'ai réussi à faire croire que j'étais nul. Surtout, t'as beaucoup d'imagination qui donne euh, au final... Ah bah, le, moi, moi c'est ma, ma technique gros, pour, mais... pour parler. Euh, mon prof d'espagnol le dessin en terminale. Tu te démerdes toujours pour te faire comprendre. Et c'est vrai, en fait, je peux très bien parler en anglais avec quelqu'un ou en espagnol, ouais, ou, euh, ouais. et parce que je vais trouver le mot qui ressemble à peu près. Et puis, ouais, machin. Et et trips, pour moi, c'est de l'association d'idées, euh, ouais. Ton niveau de québécois, il est comment Je sais pas trop. là Je suis capable de faire l'accent, je crois, mais... T'es tu, tu débranché Mon micro il fonctionne plus, ton calliste. T'es ah, tu euh, débranché monde, monde, Alors j'ai une, une on que ton micro n'est plus connecté. Y es tu connecté de nouveau là ou? Ah, Je suis connecté de nouveau, Colis. Colis. Come on Paul, come on Paul, il y a plus de micro. Bah, là, 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 y a ça. Sur, est... sur ma tablette de mixage et sur le truc. Mais il y a peut-être un délai, hein. C'est, vrai qu'il y a souvent un petit délai. Oh, c'est bon. C'est bon. Voilà, you're back. You're back. Thank euh, you. La raison pour laquelle euh, je te pose la question euh, par rapport au Québec, c'est que j'ai un pote humoriste québécois euh, <laughs> qui s'appelle Rowley qui se joint euh, à, à tous les lives et qui nous fait découvrir des expressions et des trucs québécois oh euh, shit oh shit so, c'était euh, pour je... ça ce, ce petit truc euh, parce que vous voyez pas mais il a, il a une application c'est la NASA dans son ordinateur <laughs> Je <laughs> te jure, il y a des boutons. J'ai l'impression qu'on va décoller bientôt. A... Tu as une responsabilité attends, attends, plus si grosse si, si je montre. Euh... Ah non, je, ah, si tu si, peux pas te... faire capture d'écran. Si, si... ouais, attends, si je fais, euh, euh, attends, screen sharing include desktop icons, show everything when sharing the screen and changes my. Ok, là, je crois que si je fais ça et je vous partage mon écran, ouais. euh, euh, là, c'est ça. Mais ouais. ça, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire ça. pas du tout. Ah, ça fonctionne pas là, Colis. Yes. Collis. Yes. Euh, non, mais je vais faire la screenshot. C'est plus simple. Attends, attends, c'est même pas ça. Three, bang. C et clair. là, je prends la photo. Oh God. Ah uh oh. Voilà. Non, je fais ça et je drop ça dans mon écran. Et là, du coup, ils vont le voir. Là, ils vont voir. Euh... Tu vois tu vois tout ça Donc, on a vos. vos, vos... On a les commentaires à, gauche, commentaires à gauche. On a nos visages au milieu. On a les jingles à droite. Euh, on a. C'est. Ouais, ouais c'est la NASA, vraiment. Hein. Ouais, mais. Euh... Très impressionnant. Uh, so... Et, et j'essaye de gérer ça tout en même temps, tu vois. Je, je, je devrais, en fait, dire à quelqu'un Hé, hey, tu viens produire le show comme ça, j'ai rien à toucher. Et je peux juste être là ouais, à 100% final, avec les... le guest. Il ouais, y a une espèce d'humanité quand même qui se dégage de ça. Un bah... hein, Moi, j'aime bien le, les artisans. <laughs> j'aime bien le côté artisanal. il ouais. y a quelqu'un qui a fait une bonne blague, c'est Yancy, Il dit C'est Thomas Taylor. Par rapport à euh, Pesquet, Thomas Pesquet. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, okay, qui. Ouais. Euh, ouais, en vrai, euh, ça, ça. Anyway, la raison <laughs> pour laquelle on parlait de Québécois, je vais faire le jingle euh, It's Time, c'est quoi en Québécois Québécois Mais qu'est-ce que veut dire, comprends rien. Il y a des écouteurs de l'autre côté, j'ai oublié. Euh... Oh, comme si j'avais pas assez chaud, maintenant je vais couvrir mes oreilles avec du, avec du cuir. C'est parfait. Est-ce que je peux baisser le son de mon côté Comment je fais uh, Ouais, de, au, écouteur. Uh, T'es sur la une là là. Là, là, là. Là, là là, ça va Ah, c'est là, là. Uh, Non, là c'est trop, trop bas. Trop bas Là c'est trop bas, là c'est trop bas, là c'est trop bas. Là c'est bien. Là c'est bien. Est-ce que tu l'as remis au même niveau uh, Presque, <laughs> ouais, pas loin. Uh, c est, c est right, très, let's très get vrai. him. Uh, let's add him to the left hand side of the screen. Ladies and gentlemen, Roly Assal. Yeah. And that's me? Ah, il est là. <rire> Salut! <rire> ah, comment ça va? <laughs> bien, ça va bien, <laughs> je fais Hé, hey, tu, conna... tu me reconnais-tu ou pas? Euh, je tai déjà vu, là? C'est pas, pas impossible. <laughs> On a euh... pris un verre ensemble pendant une soirée au complet. Yes. Ah ouais? C'est possible qu'à Montréal, j'ai bu que des verres dans lesquels j'avais soit bu euh, de la bière, beaucoup, soit fumé du pot. <laughs> C'est pas impossible. <laughs> fumé du pot. Non, en fait, c'était à Paris. D'après moi, t'avais pas d'enfant encore pour que ta mémoire oublie. Là. Oh, c'était con? Non. C'est genre... Euh, ben oui, euh, c'était... Il y avait moi, Paul, il y avait Adeline, il y avait il y avait ta femme. On avait ah pris ouais? un verre après un, après, après un spectacle. En fait, je sais pas si c'était... Ouais ouais c'était une soirée que vous avez fait vous étiez tous sur la même soirée dans un théâtre puis euh, ouais ah oh, merde puis, euh, pardon Paul, Paul était sur le même ah, non, c'est pas grave Ah non mais c'est le sou... truc alors, alors, le plus t'inquiète, parce que moi de je pas. me souviens pas non plus de... lui On est... tu l'as invité sans faire exprès <laughs> tu sais pas qui c'est <laughs> <laughs> c'était où Rowley c'était dans quel... Euh... Dans quel théâtre C'était... Ouais, je me souviens plus du nom du théâtre, mais je pense que c'était... C'était un plateau à Verino Le, le Inglorious hey, C'est possible, c'était oui, moi qui le présentais... Ah, ok. Le ouais, ouais alors c'était euh, Montparnasse, et du coup, on était à côté au ouais, café le bar, qui s'appelle euh, oui. Montparnasse. Alors y a, du coup, il y avait beaucoup de monde, et, euh, et on n'a oui, pas dû beaucoup discuter ici. Oui, on terrasse dehors. On n'a pas discuté beaucoup, hein <laughs> Non, je pense pas. Pense yes pas. Alors, il t'a raconté la, sa life. Tu, normalement, tu devrais connaître toute sa famille. Euh. Ah, la honte, mais je suis désolé, je déteste ça, ça m'énerve. Je, je déteste ouais, mon cerveau ouais. pour ça. Quoi. Ouais, moi, moi c'est pareil. C'est pas normal, quoi. Tu, tu, c'est ça, pas quand normal on est de... connu, on rencontre plein de gens, tu sais. Ouais, mais en fait, je suis pas connu. <laughs> c'est ça le problème. <laughs> c'est quoi Je suis pas au niveau de, 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 de je sais pas, à Gadelmale, Forestive, où ça devrait créer un problème. Moi, je, ouais. je rencontre des gens et. Et euh, je, je, ouais, mon, mon cerveau devrait s'en souvenir quoi. Bon bref, je suis désolé, je ouais. m'excuse, et euh, eh, je vais me pendre. <laughs> voilà. Donc ma carrière est Yo, terminée. On va avoir l'occasion de se reprendre. Je vais venir à Paris puis tu vas venir à Montréal donc euh, ça va, ouais. va J'espère bien que je vais Tu déjà allé à Montréal déjà Ouais, même... j'y allais, j'étais produit par juste pourrir donc j'y allais chaque été. Ah bah oui, et soudain, tout ah s'est ouais. compliqué avec juste pour rire, et puis du coup, euh, du coup je n'y vais plus au <laughs> mois de juillet, j'ai des vacances. <laughs> mais j'aimais bien Montréal. Putain, Montréal, c'est quand même l'endroit au monde où les gens comprennent le stand-up. Ouais. Euh, et autant à Paris, on est en train d'éduquer, grosso modo, j'ai cette sensation-là, d'éduquer euh, pour la génération d'après, tu vois. Mm. Euh, mais Montréal, tu arrives, tu peux faire du stand-up pour de vrai, quoi. Il n'y a pas une mamie qui dit... Donc il nous raconte sa vie, lui. <rire> <rire> <Tu vois> <laughs> Il est là, il parle, et quand est-ce que démarre le spectacle Ben non, 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 en fait, c'est ça le spectacle, quoi. Parce que je raconte pas ma vie, je raconte, je raconte mes sensations, mes ouais. sentiments, c'est ça. Oui. Mais c'est pas de sketch, non. et je comprends pas, il a pas une perruque Il yeah. n'y a pas un personnage <laughs> Non, ici c'est plus, euh, en anglais je dis straightforward, fait que la personne va, va dire Ah, euh, oh, je l'aime lui ou je l'aime oui. pas lui, c'est de la merde. C'est C'est des... vrai. Il <laughs> n'y a, a pas un juste milieu là, c'est de la ouais, merde. J'aime pas, euh, pas lui Mais souvent euh, le c'est de la merde, j'aime pas lui. J'ai l'impression peut-être que je me trompe, mais que le, le, les Québécois euh, peuvent le revoir le gars et dire en fait c'est pas de la merde, j'aime bien. Je, mets, je pensais que c'était de la merde, mais il y a une espèce de pardon. Alors qu'en France un gars qui te déteste, faut faut t'accrocher pour qu'il te tu vois, il va ah, vraiment oui, mais... tout trouver. Ouais. Pour dire, non, mais là, il est mal coiffé, non, mais là, il ouais. se fait de la gueule du monde, non, mais là, il faut, le, faut, faut travailler 10 ans pour qu'un gars qui t'aime pas finisse par t'aimer, quoi. Ouais, tout à fait. Mais tu sais, aussi, le, le Québec, c'est petit comme population, donc c'est très rassembleur. Donc, euh, si moindrement, tu as moins un humoriste, et finalement, euh, ou peu importe une personnalité qu'on connu, et que le Québec en entier euh, commence à l'aimer, ben, tu vas faire. Ouais, wow, finalement, c'était pas de la marge. Je l'aime ouais. un peu, finalement. Ouais, <laughs> bah, là. déjà, il passe tout le temps à la télé, puisque le Québec entier <laughs> l'aime. donc t'es obligé de es obligé de l'avoir en permanence, quoi. Vous êtes combien exactement. Vous êtes 6 millions là-bas Eh oh 7,2. On a pris 7,2 <laughs> Et il y a autant d'humoristes qu'en France, alors qu'on est 10 fois plus. <laughs> ouais. ouais. exactement. Bah, y a 7, concours, je crois mais... que c'est la région parisienne, c'est. Euh... Ah ouais, c'est 8 millions un truc comme ça. Ah oh, putain, c'est dingue, c'est dingue. Euh... Ouais, c'est pour ça qu'au Québec aussi tu dois être euh, parce que les producteurs québécois sont euh, très euh, ils veulent vraiment le mainstream quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu plaises à l'ensemble de la Exactement. population, je comprends pourquoi. Mm. En fait, sinon tu tournes pas, tu as pas de vie. Pourquoi ça Attends, pour j'ai que... juste Pardon, vas-y. Ça... Mais c'est pour ça que je t'ai dit Vérino, euh, toi tu es connu parce que ça? Être, être connu, ça euh, c'est quand même relatif. Euh, ouais. C'est difficile d'être connu au Québec <laughs> si euh, c'est une petite population et euh, tu te démarques pas ou les médias parlent pas de toi. Ouais. Mais tu peux être connu, tu te considères pas connu en France parce que vous êtes énorme comme population. Mais pour moi, remplir des salles de 500-600 personnes, mm. c'est qu'il y a quand même 600 personnes qui viennent vous voir une fois, deux fois, si pas trois fois ouais. par semaine. Pour euh... moi, ça c'est connu. Il ouais. y a des gens bah. qui viennent vous voir. Vrai en fait moi je mettrais deux points, c'est que d'abord il y a la notoriété euh, basique, c'est-à-dire euh, connue. pour moi c'est tu marches dans la rue et on te reconnaît tous les trois mètres, c'est-à-dire euh, mm. on va dire des, des, tu passes à la télé, t'es connu, t'es connu, il y a 4 millions de personnes qui te connaissent et dessus il y en a 20 000 qui vont voir tes spectacles. Euh, moi là je considère que je suis pas connu parce que je pense qu'il y a 400 000 personnes qui me connaissent c'est ceux de ma chaîne mais c'est 400 000 personnes qui viennent voir mes spectacles donc j'ai le ratio tu vois oui, j'ai le ratio de quelqu'un de, de, de célèbre tout en n'étant pas, euh, oui. pas emmerdé dans la rue donc moi ça me va très très bien mm. c'est très très cool ah euh, mais tu euh, vois il y a déjà une différence entre tu... avoir un public être ouais. connu puis être célèbre et c'est là ouais. que ça se complique en fait puis c'est là qu'on sait pas trop où on veut nécessairement se situer en tant qu'artiste ah, ouais, ouais. Est-ce qu'on veut être célèbre? Mais non, je n'ai pas le goût d'être célèbre, mais j'ai le goût de remplir mes salles. Remplir Exactement. mes salles, à quel niveau? Est-ce que 600, c'est assez? Ou je veux faire 2000? Je veux faire l'Olympia? Je, je pense que c'est pourrait être une genre de. 600, ah, tu cool. de quoi faire l'Olympia de temps en temps. Et donc, euh, tu de ouais, quoi, as de quoi, as quoi être cool. fier de toi. Euh, tu as de quoi. Euh... Non, en vrai, euh, quand tu commences à passer. Moi, le, le, la jauge idéale que j'aime quand on joue plusieurs fois par semaine, c'est 300, 350. Ouais. 300, c'est le sweet spot. Euh, ah ouais, de... l'européen, la Nouvelle Ève. Euh, ouais, ouais, ouais. Là, je suis au grand point virgule qui fait 450. C'est, je pense, les dernières limites. Ouais. Peut-être le, le, le Palais des Glaces qui fait 500. Mais on commence à arriver dans des trucs où on touche plus autant les gens. En tournée, par contre, ouais. en tournée, j'aime bien. Moi, 800, c'est mon, mon idéal. Ouais. Et après pour te la péter, ouais effectivement quand tu ouais, joues tu euh, le grand Rex. Il y avait une question cool, que tu voulais ben. répondre parce que tu as. dit oui, pas parce un... que ouais j'ai pas euh, j'ai Je mis sur l'écran. J'ai pas approfondi sur il s'est passé quoi, avec, juste pour rire. J'ai juste euh, j'ai juste alors il moi j'ai quitté mes producteurs euh, au moment où euh, peut-être euh, un tout petit peu avant, mais euh, juste pour rire le producteur euh, québécois c'est Gilbert Roson et, euh, et il avait une Wops, une fille Il, a... une il, française, il a mis et on sait pas où il oui, faut fait. pas. <laughs> euh, on lui a dit, voilà. touche pas à ça. Il a dit, encore <laughs> lisse. Et... Euh, tu sais qui je suis, donc je mets ma main où je veux, quoi. Et donc... Euh... Ouais. Donc voilà, donc euh, effectivement, moi j'ai quitté juste pour rire un tout petit peu avant ça parce que, parce que ben bah voilà, je pense qu'il y a des moments dans la vie euh, les chemins de production s'éloignent. Mm -hmm. Mais quelques mois après, j'ai vu ça, je me suis dit, ah là là, j'ai eu le nez creux de m'arrêter au bon moment. Voilà, ouais. je précise parce que j'avais ouais. abordé ça rapidement. En tout cas, je, je, trouvais, je trouvais ça drôle votre conversation avant que j'arrive parce que moi, je présente officiellement pour la première fois mon, mon spectacle, mon One Man Show, le yeah. 9 juillet et mon producteur me demande, hey Rolly, remplir 70 personnes, ça se fait-tu Et j'ai fait... <laughs> C'est un enfer, c'est horrible. Je vais mais écrire des emails. <laughs> si ça peut te rassurer. Moi, inviter ma mère, mon père, et ma soeur, <laughs> ouais, ça fait ça. déjà trois. <laughs> tu vois, on est... C'est dur. Hein. The... Pas le même ballpark, hein. Ouais, mais alors attends, il y a des trucs. C'est que moi, euh, quand j'ai fait le Grand Rex... Donc c'est quand même 2800 personnes, tu vois y a une, Tu l'as ouais, joué aussi, je crois sais, Non, j'étais ouais, censé le mille jouer l'année dernière. Lui, il va faire ma première partie au, au Grand Rex euh, oh, en octobre. Le, le, mai, le 19 et 20 octobre, euh, Grand Rex. Euh, c'est le prochain rendez-vous à Paris. Et voilà. Ah bah, moi, quand j'ai fait le Grand Rex, donc j'étais un peu dans ma tête, c'est le, le, le pic, quoi. C'est la salle la plus grosse que j'ai faite. Euh, et, euh, et donc, c'est vraiment chouette quand tu arrives à un stade de, comme ça. Et euh, genre, euh, un mois après ou avant il y a euh, une salle dans laquelle je jouais qui s'appelle le théâtre populaire à Paris qui crée un festival en disant bah, les gars en fait on galère, on n'a pas de thunes on rappelle les, vieux, les mmh. vieux qui fonctionnent bien pour essayer de faire une semaine dans laquelle il va y avoir des humoristes et que ça va faire bouger le lieu quoi et donc j'accepte d'y jouer, c'est une salle de 30 places, c'est la salle dans laquelle j'ai démarré. Mais wow. bon, on n'a pas joué à pleine jauge. Hein. <laughs> c'est vrai qu'il y avait 30 personnes à remplir, j'ai pas rempli les 30, alors que j'avais fait le Grand Rex trois <laughs> mois avant ou trois mois après, je ne sais plus. Mais tu vois, en fait c'est bizarrement plus compliqué parce que, de remplir une 70, parce que 70 c'est par tes propres moyens. Ouais. Le Grand Rex, il y, y a des curieux qui vont venir, il y a, y a de la presse qui va en parler, il y a des choses. Il y a des affiches dans le métro. Ouais, c'est ça. <laughs> donc, euh, donc bon courage pour tes 70 et c'est... Euh, selon moi normal si, euh, mmh. si t'as du mal à les remplir quoi. Mais je rigole, ça va bien se remplir quand même, mais je, 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 je trouvais ça juste drôle le contraire. Oui, c'est vrai. Ouais, moi, j'ai fait 600 personnes hier, puis toi, <laughs> 70. C'est vrai que même nos mois du passé, ils nous regardent en disant, mais bande de connards. Ouais, c'est Bande de <laughs> connards. Quoi. Je crois que ouais, quand je débutais, j'entendais... Mais euh... t'imagines jouer ça, quoi. Non. Jamais. Et ça devient tellement un peu normal qu'on ouais. euh, qu n'apprécie pas, je crois. Ah <laughs> oh, si, moi j'apprécie parce que j'ai toujours l'impression que... J'ai toujours l'impression que, en fait, faut travailler tellement dur. J'ai toujours l'impression qu'il y a un moment où j'aurais pu la foi de travailler autant, et que moi, si je travaille, moi, je suis un besoinnier, tu vois. J'ai pas le talent, j'ai pas le, 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 le truc qui diffère, tout ça. Donc vraiment, j'ai besoin de travailler. C'est mon, c'est comme ça que je remplis ma salle. Je me dis, si un jour j'ai plus l'énergie, plus le, même plus l'inspi, j'en sais rien. Bah ça va, ça va se terminer, quoi. Tu vois. Mm. Uh, Rolly Merde, j'ai l'impression que j'ai le mais en Non, mais c'est que tu ne sais pas comment faire la transition depuis le début. Non, 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 c'est qu'à la base, je crois qu'il avait un truc, des expressions québécoises ou quelque chose. Il avait préparé un truc et on est parti sur un autre thème qui était aussi. Non, mais arrête de dire Pardon, ça, c'est l'expression partir en couille. Tu vois, on pratique des expressions. Oui, c'est ça, effectivement, en français. Oui, d'habitude, ce que je viens, moi, j'arrive avec des expressions québécoises et je teste les connaissances du québécois de chacun de nos invités. Et je sais que tu es venu à Montréal quelques fois, et je, et je sais que tu as des enfants. Donc je me suis dit ah pourquoi pas pour la première fois euh, de, de montrer des expressions québécoises que l'on dirait à nos propres enfants. Ça te tente <laughs> ah, je, je sens que je vais être nul parce que moi quand je vais à Montréal j'ai pas si je suis allé avec mes enfants la dernière <laughs> fois. Ouais. Tu laisses tout le monde ici Ah ouais en général ouais c'est pour ça que je te dis c'est pas grave je l'ai fait, fait comme un jeu. J'ai fait un jeu en fait j'ai fait des c'est des choix de réponse en fait. Ce que je vais ah, faire c'est cool. que j'ai trois, trois sujets. Ouais. Et pour chaque sujet, il y a une expression euh, dédiée à ce sujet-là. Et je te donne des choix de réponse et tu me dis euh, laquelle de ces expressions est la bonne. D'accord. Et on peut commencer par la première et quand tu vas te faire la première, tu vas comprendre pour la suite. Alors, euh, euh, ici au Québec, on a une expression pour dire euh, quand quelqu'un ou quand ton enfant se cramponne à toi, il s'attache à toi, il ne veut pas te lâcher, il est toujours avec toi. On a une expression euh, pour, dédier, euh, ce, euh, pour, pour expliquer ça. Je ne sais pas si vous en avez une en France d'ailleurs, euh, une expression... Quand... Ah, je crois qu'il est toujours dans les est... dans les jupons de sa mère, ah, dans ou les jupons des trucs de sa mère comme ça, ah. quoi. Ouais. Dans les Mais c'est pas temporaire, bon, ouais. c'est genre, euh, genre euh, ça fait 4 ans que tu l'as dans les bras quoi. Il veut pas sortir, ouais. il a... <laughs> tu vois. Et là tu te dis oh, il il, est... mal, il... y a 3 mois puis t'es es me <laughs> 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 <m> fait chier. <laughs> J'en peux plus. <laughs> Alors, euh, hmm. bon, euh, les jupons de sa mère se cramponner à quelqu'un. Alors, je vais donner euh, cinq choix. Tu me dis, selon toi, en québécois, oh, quelle serait la bonne expression. Je, je pensais que ça allait trois. Ouais, moi, je veux dire. Et que... voilà, donc, on Ils a comme choix le... A. Ils sont dans le chat, c'est ça? Dans le chat, ouais. Attends, attends, attends une, une minute, là. Il faut que ça, le temps que ça… Oh, here we go, here we go. Okay. Roll ah. yourself. Okay. Alors, faire on a cheval. A, faire le chien de poche. B, oh, tenir la jambe à big. papa. Ouais. C, s'agripper à ses cheveux. D, avoir sa tête dans les aisselles à maman. <laughs> toutes ces réponses. Oh là là, ouais, euh, faire le chien de poche là, je trouve que vraiment ça cale bien. Avoir sa tête d'un essel à ma main, il <laughs> Les essels, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et, euh, et l'autre, c'est quoi Agripper ses cheveux, tenir la jambe à papa. Ouais, mais je pense ouais, dit... que je pense que vraiment elle marche toutes Mais avoir sa tête d'un essel à ma main, il me euh, il me plaît bien. Il est, bien. Bien, ah, il est ouais. pas mal. Il me plaît bien, quoi. Écoute, c'est ma préférée, mais je l'ai inventée. En fait, elle veut absolument pas vrai. Je rien dire, cette expression. <laughs> J'aimerais ça la créer, peut-être, avoir Mais la créer tête la... d'un sel à maman. Mais tu sais quoi, je vais je faire du sketch en France où je vais dire, en québécois, on dit avoir sa tête d'un sel à maman. Donc 70 millions de Français, si j'arrive à faire une carrière, <laughs> entendront ce truc-là. Et les Québécois euh... vont finir par dire, ah bon, on dit ça. <laughs> et ça va, on va ça faire sent ça. pas le brûler, là mais la vraie réponse c'est a faire le chien de poche quand ton enfant fait le chien de poche en fait c'est comme un petit chien qui suit sa son, son maître en fait bah ouais, le chien ouais. de poche j'avais jamais poche. entendu tu peux donner dévoilé. ça aussi enfin... à ton ami ou même à ton copain ou ta copine ta copine fait son chien de poche ah ouais. elle suit toujours mais on peut dire à son enfant arrête de faire le chien de poche va jouer avec tes amis là va t'en ah ouais 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 mais <laughs> j'ai pas d'amis puis je vais pas faire de chien de poche avec mes amis <laughs> chien de poche c'est super bravo drôle. Mais la poche, Bravo, est la, ouais, on est d'accord, c'est la, la poche. Le euh, chien de poche, c'est genre. Ouais. Euh... Ok, ouais, euh, ouais. Like a pocket dog. You're doing your pocket, a pocket dog. <laughs> ça n'a pas exact, de sens sur pas tradition. du tout. Je suis chien <laughs> avec la tête dehors. <laughs> ah, très drôle. Deuxième expression, c'est cool. euh, ouais. par rapport à, au fait d'avoir une attitude enfantine. Donc, quand ton enfant a mm. une attitude enfantine désagréable et tu es au Québec, que dirais-tu Comment qualifierais-tu ce comportement Alors, je mets les choix. Ça sent vraiment le brûler. Ça sent le brûler T'es en train de cramer ou alors il y a des gens qui meurent Ça crois que c'est l'ordi, sent le brûler, mais personne cuisine. Ça, ça fait peur. Ouais, comme Maxime Bouteille dit, ça sent le brûler. Paul, il a le feu au cul. All right, je l'ai mis à l'écran, tes choix. Alors, avoir une attitude enfantine, dirais-tu que cet enfant est un bébé Lala Ouais. Il est un enfant écureuil. Il est un bec bobo. Il est un solide gosseux. Toutes ces réponses. <laughs> Alors attends, parce que chez nous, ça va correspondre à quoi C'est le bébé Cadom on va dire ça Bah, moi, je sais pas. Euh, ouais, je, je, c'est. Ouais. Euh, bébé Cadhomme, en fait, c'était une marque de savon. <laughs> et donc, euh, c'est incroyable. Hein, et donc, euh, ils ont tellement bien fait leur promo que euh, Que euh, l'expression est devenue dans les cours de récré, c'était toi, t'es un bébé Cadom tu vois. Et donc, c'est resté. Quoi. Ça veut dire, euh, en gros, euh, t'es un es gros, gros bébé. Un gros bébé. Ouais, ouais c'est ça. Et c'est ça que, de... que l'expression oh, oui, veut dire bien. Exactement. Ouais. Carrément. Un bébé Lala. Moi, j'aime bien le bébé Lala parce que vous êtes toujours capable les Québécois, de rajouter des Lala. Des bébés Lolo. T'es un, un bébé Lolo. T'es un bébé Lolo. <laughs> un bébé Lolo. Moi, je l'aime bien. L'enfant écureuil, euh, écureuil euh, ça sonne pas mal parce qu'il y a plein d'écureuils partout, mais c'est pour ça que je pense que tu l'as inventé ouais il y a un rectus on a eu un rectus j'ai l'impression d'être Fabien Lica <laughs> un, euh, un bec bobo on dirait euh, un quelque bec chose c'est ouais. on dirait on dirait un habitant de Montreuil ouais, exactement <laughs> euh, un solide <laughs> gosseux soit tout à fait qu'est-ce que je suis <laughs> euh, que et, je vais bientôt devenir <laughs> c'est vrai bah oui bah oui oui ouais, on cherche ah euh, on en parlera euh, après ah, non, bien. Ouais, ouais. être un solide gosseux moi j'aime bien parce que le ouais, gosseux, c'est un mot mais que tu transformes en, en autre chose. Ça c'est très québécois ça. Ouais. ouais prendre un mot et le et le, et le et le virer en qualitatif, ça on fait ça souvent. Ouais. Merci beaucoup d'avoir enfin, traduit on, ce on... que j'essayais de dire. <rire> 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 euh, alors Abdelmalek, euh, il mise sur solide gosseux. On va aller avec solide gosseux. Solide gosseux et en deuxième position, je mettrai le bébé là. là. Mais l'enfant qui aurait, je mets pense la que tu la la bonne la réponse. Réponse, Je mets le bébé Lolo ou Lolo. Je mets Lolo. La Lolo, bonne réponse, c'est ton deuxième choix en fait, c'est être un bébé Lala, c'est ah, la bonne réponse, et c'est exactement la traduction mot pour mot de bébé Kadoum. C'est exactement ah, oui. comme ça qu'on hein? le traduit. Il y a ouais. eu une marque aussi chez vous euh, comme ça ou pas du tout C'était une ben marque de savon Lala Non, non. Non. non, en fait non. C'est la traduction française quand tu regardes sur Internet ou tu, la, la définition telle quelle, c'est bébé Kadoum. Ok, ouais. Bébé cadom, oui. ça se prononce. Euh, je je que ça pas, se, se prononce mal, mais comme, la comme la tous les Français, les Français le prononcent mal. Bébé cadom, bébé. Bébé lala, ok. Bébé lala. bébé lala. Eh ben, tu vois, je suis un peu content parce que je l'ai mise en deux. Ouais. Et alors, attends, t'avais inventé laquelle, toi Ouais, t'avais inventé. Moi, j'ai inventé. Enfin écureuil, solide gosseux. Ok. T'as le solide gosseux. Et un bec bobo, c'est quoi T'as un bobo au bec Non, un bec bobo, c'est quand un enfant se fait mal et tu lui donnes le bec magique pour, ah, le, pour le bec, le, un bec bobo ah, okay. rire ouais. le bisou magique ton chez enfant nous. est un peu ouais ouais toujours bah, en train le de faire bisou magique je voilà. sais pas Tra... il, il... ouais moi j'entends des portes grincer c'est chez toi que ça grince non c'est en face c'est ah, comme face. les fenêtres sont vertes ah, okay. on entend tout et je crois que eux ils nous entendent depuis le début <laughs> désolé et donc <laughs> la troisième expression la troisième expression c'est pour décrire un enfant euh, qui doit ranger ses jouets donc quand un enfant laisse ses jouets traîner -à et le la parent voit lui <laughs> la vie normale. Et tu dois dire à ton enfant de ranger ses jouets. Tu es tu au Québec. Dis, tu es que un dirais-tu à ton enfant. <laughs> Alors voici les choix. Donc, Paul, tu me mets ça à l'écran et je les cite. Ouais, et en, en, en attendant qu'ils viennent, il y a Taki -E K qui est de retour. Euh, Taki -E K is a fucking legend. C'est une légende de, de ce truc. Mais en gros, c'est la même la expression C'est une légende de ton podcast De mon live, ouais. Attends, parce que. C'est génial, t'as des légendes dans ton podcast. Bah, en fait, euh, l'histoire courte, euh, le premier confinement. Non, premier couvre-feu quand on ouais. a fait de, de, de 21h à 6h. J'ai fait un live de 21h à 6h. Et, euh, et toutes les heures, je faisais une compétition pour gagner soit des bières gratuites, soit ouais. euh, 100 euros ou soit des ouf. places pour mon spectacle. Et lui, il répondait à toutes les questions tout. en une seconde. C'était... Euh, Respect. Et, euh, et donc, il donc est, est devenu une, légende. Il est, une, il une est, légende. il est devenu une légende. Anyway, Rolly, je vais trouver euh, ton truc. Alors, euh, il doit non, ranger il ses alors affaires. Alors, comment un comment en enfant en qui ne range pas ses jouets, comment tu lui dis ça Tu lui dis, « Hey !» Range tes bébelles. B. Range tes bidules. C. Range tes cochonneries. Non, c'est passé. range tes hosties de jouets. <rire> <rire> toutes ces réponses. Alors, le D, il fonctionne, ça, c'est clair. Le D, il fonctionne quand, mais... quand, quand on en a marre. En fait, c'est euh, là ouais. où. Euh, t es, t es, de euh, ouf. Mais je pense que ça peut être toutes ces réponses pour ce coup-ci, mais que. Le, 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 le vrai truc chelou, c'est range tes bébelles. moi Pour moi, c'est ça. Range tes bébels il n'y a que vous. Range tes bidules, c'est choses chez ça, nous aussi. Range aussi, tes cochonneries ouais. aussi. Ça, ouais. Et range tes autres euh, jouets chez nous, c'est tu vas ranger ta putain de chambre. Ouais. Euh, Et bien, donc Vérino, je, je je en anglais. E. Comment Tu dirais E je, tu ouais, dirais je dirais e, e, mais A, tu l'aimes bien. ah Je dirais A, c'est vraiment de chez vous, quoi. Ouais, tu dis pas E, euh, tu, tu, tu dis pas Écoute. Ah, bon. euh, You just made a home run. run. as fait home un home run. run. You got it. Oh yeah. Ouais. Yes. Non seulement la bonne réponse, c'est. Toutes ces réponses sont valides pour dire à ton enfant de ranger ses jouets. Et ma préférée, c'est range tes hosties de jouets, mon Chris. <rire> un... <rire> et range, mais tes a, et range tes bébelles. Et l'expression range tes bébels. D'ailleurs, le mot bébel veut dire truc, chose. Ah, mais ouais. on l'utilise beaucoup pour les jouets d'enfants. Range mm, tes okay. bébelles. C'est très très drôle. Il y a quand même Ou, des mots euh, très drôles au Québec, quoi. Nice. Euh, en a... On en a ouais, pas fini. Que... Ça fait un an et demi que je fais le live avec des trucs du genre, donc j'ai pas fini. Mais <laughs> ah! qu'il a un matos de Tu T'es en train de boire quoi, Rollie C'est du Red Stripe du Jamaïque euh, même pas. J'aurais voulu, mais bon, euh, il est 15 heures. Hein. J'ai pas mis. Euh, à ah, bon, il est 15h chez donc toi. Donc je bois. Donc je bois un kombucha euh... sauvage. Oh. Baisse, baisse sauvage. Baisse sauvage. Ah ouais, tu t'as envie de la dompter quoi. <laughs> c'est un truc de, un truc de chasseur quoi un peu <laughs> de chasseur cueilleur <laughs> a... pourquoi t'es plus grand Verino juste il y a euh, quelqu'un qui demandait tout à l'heure est-ce euh, que Verino il est petit mais en mais fait oui. nos chaises ils sont ils sont à la même, la même hauteur. hauteur je me tiens mal ou quoi qu'est-ce que je fais bah, c'est peut-être parce que t'es plus euh, chill je sais pas c'est possible écoute mais c'est vrai que j'ai l'air d'un nabot à côté de toi quand je vois l'image mais c'est pas Attends, es comment, comme mais ça sinon euh, euh, c'est un peu tard maintenant parce que <laughs> on va finir la première partie mais euh, du coup euh, du ah coup du coup du coup là en ah fait, voilà, ce que là, je voulais ça, dire, euh, c'est ouais. bon. Je suis même plus... J je veux te dire que euh, euh, oui. je suis ce que tu fais et j'aime énormément euh, ce que tu fais, autant sur euh, les réseaux plaisir. sociaux qu'en personne, en stand-up. Donc, euh, voilà, j'espère vraiment te rencontrer en personne une deuxième fois. Tu t'appelleras de moi, cette <laughs> ben, ce fois sera la première fois pour moi. <laughs> <Je> tu m'envoies <laughs> un gros cœur. <laughs> tu m'envoies un gros cœur, euh, que ce soit à <laughs> ben, Montréal oui. ou à Paris. puis, si c'est à Paris, bien, en espérant te voir au mois d'octobre euh, sur scène ben, ou, des ou chances, hein? à, sur une terrasse ou sur une terrasse euh, en octobre peut-être bien hein, avec le dérèglement climatique ah. on commence à avoir des, des étés on ne sait pas ouais ouais c'est sûr c'est le seul côté positif du dérèglement climatique c'est sûr ben euh, voilà. all right, so, pour tous ceux qui celles qui nous écoutent euh, je suis je serai en spectacle le 9 juillet et je cherche 70 personnes qui aimeraient voir mon spectacle exact <laughs> à 19h pas... et à 20h <laughs> <et à> 20 <laughs> c'est pas pire euh, pas un... <laughs> en fait en fait c'est 70 personnes mais j'ai fait deux spectacles donc c'est 35 personnes par spectacle oui. Yes. <laughs> Donc ça veut dire qu'à 20, t'es quand même pas mal rempli, quoi. C'est pas mal, ouais. Mais je trouvais que sur 70, c'était quand même plus impressionnant que 22. On est d'accord. <laughs> okay. Et c'est euh, ta première première euh, euh, de, ton, de ton heure. Ouais, c'est son premier. Wow, c'est la wow, première wow. fois que je fais mon heure, ouais. Ah bah, et mec, euh, bah kiffe. Enfin, oui, c'est le conseil de merde. Mais euh, éclate-toi, profite, euh, fais de la merde. Et regrette et refait autre chose. <laughs> Tout ouais. le temps pareil. C'est voilà. notre vie. Euh, Rowley, Rowley, Emilia, elle pose la question, il est où le spectacle euh, ah il, oui. est, il est au Terminal Comedy Club, c'est ça Ouais, Terminal Comedy Club sur le plateau Mont-Royal où il n'y a que des Français. Donc je vous invite tous à venir voir mon spectacle. Les billets seront en vente à partir de demain sur mon Instagram Rolly Assal. Vous allez sur Instagram Le lit de l'habitrie. Ça coûte pas cher là. ça coûte euh, 15 dollars, ça c'est 2 euros en euros. là, je sais pas trop comment. <laughs> <laughs> tu es sûr de OK. <laughs> ah ouais, 15 le prix du spectacle, c'est le prix d'une un, chocolatine en France. Ça voilà. n'existe pas les chocolatines, c'est des pains au chocolat. Pardon d'avoir lancé le débat. Mais... True story. <laughs> True story. Uh, voilà. uh, Rolly, parce que du coup, uh, donc ouais de bah, toute façon, tu seras là la semaine prochaine ou pas pour le live Comme ça, tu yep. peux en reparler à la semaine prochaine. All right, I love it. Nice. Avec plaisir. All right, dude. Cool. On se reparle. Merci. Thank you guys. Merci, c'était très drôle. drôle Et moi, c'était bébelle. Ciao. <laughs> Salut. Salut. Um, round guys. of applause, Bye. ladies and gentlemen. Je vais la faire. Oh, for Rolly et Sao. Oh, je... Transpire de ouf. Ah oui, c'est vrai que ça fait du bien d'enlever ça. Ouais. Euh, ladies and gentlemen, eh bien écoutez, c'est la fin de, de la première partie. Euh, de ce live. Euh, verino se barre déjà. Il va aux toilettes. <laughs> non mais vas-y, hein, tu peux. Euh, 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 Attends, ouais, toilettes. Ouais ouais, deux, deux choses. Il euh, y a une première partie, une deuxième partie. À chaque live, si vous êtes nouveau au live, il y, y, a, y, a y a deux parties. Il y a une première partie gratuite sur YouTube. La deuxième partie, c'est ça euh, où je me mets à poil. C'est ça où tu te mets à poil. Ouais. C'est sur un truc qui s'appelle patreon.com slash Paul Patreon Taylor. Et du coup, euh, ben, ça fonctionne un peu comme OnlyFans, mais euh, sans le porno. Ou avec ce soir si t'as envie. Euh, et du coup, c'est une plateforme en gros où euh, les humoristes, les artistes peuvent un peu gagner d'argent euh, en faisant leur boulot. <laughs> on voit rien en plus. Ouais. <laughs> Je suis en train de. Et, et ouais. Le, de le, 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 le micro il est là. Et euh, du, et du coup, euh, en vous offrant du contenu exclusif dans la deuxième partie euh, où on va voir apparemment euh, Verino se déshabiller. Euh, J'aimerais bien, moi il fait tellement chaud. C'est euh, sur euh, patreon.com. Euh, en gros, il euh, y a trois façons de, 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 de soutenir la chaîne et ce, ce show. Soit tu me payes une demi-pinte, soit une pinte ou soit trois pintes. Et pour les trois, euh, tu as la version 2 ou la, la deuxième partie de pas que le live qu'on est en train de regarder maintenant. Euh, mais merde, attends. Euh, je suis perdu dans mes trucs. Euh, mais tous les lives avant que j'ai fait avec tous les autres guests et tous les lives futurs, si tu continues euh, à soutenir la chaîne, c'est une façon de me dire merci. Euh, et merci aussi parce que j'ai vu euh, quelqu'un qui a lâché 200 RUB, je sais pas ce que c'est, de Daria qui dit euh, c'est le premier live qu'elle a. C'est joint depuis l'été. Uh, so happy to see you. Thank you, Daria. Thank you. I don't know what 200 RUB is. Ça, ça se trouve, c'est vraiment un frilliard. milliard de dollars qu'elle t'a offert. Ça se trouve, c'est une faut monnaie. Faut je regarde maintenant, je crois rien. que c'est des Russian rubles non, 300, ah ouais. en UB Ah oui, Daria Lazareva, ça sonne. Euh, je crois que c'est du euh, 2,29€. Ok, c'est pas des milliards, mais c'est très cool. Euh, merci, Daria. Merci beaucoup. Euh, et merci et à, à Je vous à... conseille d'ailleurs tous de donner en Russian, je sais pas quoi, parce que ça pète quoi. En, en quoi en, en... Dans, dans une monnaie qui. Ouais, moi ah, je vais te donner des roupies. Oui, c'est ça. ça, tu Ouais, je, ouais je, ça. Comme je... ça, on a l'impression, je suis genre, oh mon dieu, oh mon dieu Partager en roupies, du coup, ça fait, des, ça fait des scores de ouf quoi. Euh, donc, uh, patreon.com/slash Paul Taylor. Uh, Patreon, on se voit dans, uh, dans 5 minutes. On va aller épicé et puis on... moi je vais m'essuyer la gueule parce que je transpire, moi je vais prendre une douche aller au resto, enfin 5 minutes quoi <rire> <rire> et puis on se revoit et souvent la deuxième partie honnêtement si je suis honnête avec vous depuis le début elle est meilleure que la première, bah, juste -dire parce dire que, que quand même il y a deux bières dans le pif quoi, il y a donc, deux euh... bières dans le pif et du coup comme il y a... là on était 400 500 qui regardaient en live, et, bah là on est à 40-50 donc c'est plus intime familial quoi, c'est familial et du coup et les gens posent des questions qui sont pas publiques parce que personne sauf vous, vous avez lien donc du coup on peut parler de plein de trucs euh, ouais. intéressantes sans que ça les trucs, c'est masculin. Pardon de... Voilà, mais il faut parler de trucs intéressants. All right, good. Well, thanks very much. <laughs> Uh, Alright everyone Thanks very much uh, uh, Avant qu'on parte uh, ouais. Les gens qui nous quittent Maintenant Et qui sont là, pas là Pour la deuxième partie bah, allez vous quoi ton... Ah non on, on... Je croyais que c'était on, on te retrouve ouais. où Verino C'est quoi C'est quoi ton réseau social Préféré euh, Où tu fais le plus de trucs j ai, j ai, Je crois que c'est Youtube C'est Youtube Mais je, YouTube. Je, suis, je suis actif en ce moment je, Ce sera Youtube en septembre Là pour l'instant oh. euh, Pour l'instant Je vais je rien fais faire euh, euh, Youtube, 3. Instagram Je fais pas mal de trucs Alors euh, Instagram C'est difficile de me retrouver Parce que je m'appelle Verinaz Ouais donc Verino Sur ouais. euh, Youtube Sur Instagram C'est Putain, mais pourquoi il a disparu là? Very Naz, Yeah, c'est Very euh, c'est moi. Et la première vidéo, c'est pas toi, c'est Karim Duval. Qu'est-ce qu'il que sur... en fait? Parce qu'en on fait, on fait, une, on fait le bac des humoristes euh, jeudi. On a le sujet du bac le matin et on a toute ah. la journée pour écrire. Et le soir, on joue. Et donc, il, a, il a envoyé une vidéo à partager. Je l'ai partagée du coup. Euh, et bien sûr, sur Facebook, j'imagine, euh, et euh, tous les autres trucs. Oui, bon, en fait, je suis un peu partout. Et, euh, mais comme arrive l'été, je vais pas vous mentir, moi, l'été, je suis en famille et. Euh, euh, J'adore les réseaux sociaux, mais j'aime plus mes enfants. Et donc l'été, je, 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 je suis moins présent. Alright. Bah voilà, allez voilà. retrouver Verino, allez voir son spectacle qui est au grand point virgule euh, en ce moment. Et, euh, et, et il s'appelle comment le spectacle, le titre Il s'appelle Focus. Focus, ah oui, et c'est l'affiche, la, la, elle est vraiment stylée, je trouve. Ouais, euh, ouais euh, c'est suis... ça l'affiche avec. Euh, J'adore cette affiche quoi. Ouais, elle est vraiment. Et d'ailleurs, cool. j'ai une anecdote là-dessus que je te donnerai dans la deuxième partie. Oh, anecdote de l'affiche dans la deuxième mais partie. Une anecdote de dingue, mais vraiment, genre, c'est très 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 marrant et ça vaut largement trois bières. Faites ce que vous voulez. <laughs> All right, bah on se voit dans la deuxième partie, ladies and gentlemen. Euh, merci beaucoup. je Re, euh, fais, fais une fa phrase de fin Et puis je fais l'outro ouais, Merci beaucoup d'être venu nous voir euh, Abonnez-vous surtout et cliquez sur la cloche euh, De la chaîne, c'est très très important Parce que ça va augmenter Le, le, le nombre de personnes qui s'intéressent Et donc les algorithmes vont finir par quoi Vraiment même commenter, continuer à faire des trucs Ça, ça baisse les algorithmes de Youtube Notre objectif c'est de baiser les algorithmes de Youtube D'accord Donc abonnez-vous Commentez, euh, cliquez partout Et merci de nous avoir écouté C'est ça, et euh, on sera à 20 000... Euh... Bientôt. Thank you very much. Bisous. Bye. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickhead soon for another episode.